Bien, bonjour tout le monde. Saharam Dankum. Désolé d'avoir programmé ce cours très tôt. Ça va, ça passe, tout le monde réussit à m'écouter? Bien, alors le thème de ce cours va porter sur les cardiopathies ischémiques, qui est un chapitre extrêmement important et qui est destiné aux étudiants en médecine en quatrième année et autres. Alors je vais rapidement vous énoncer le plan du cours et puis on commencera à détailler point par point. Bien. Alors, on fera peut-être tout d'abord une introduction sur les cardiopathies ischémiques en soulignant un petit peu l'importance, l'intérêt de la question, pourquoi c'est important de bien les connaître et bien les comprendre. Par la suite, on fera un petit rappel sur l'anatomie de la circulation coronaire. On cite un petit peu les différentes parties qu'elle vascularise pour chacune d'elles. Alors, par la suite, on fera aussi un rappel physiologique en parlant surtout, en insistant sur la balance apport-besoin et son implication dans l'ischémie, c'est-à-dire dans le déséquilibre. Bien, ben, par la suite, on va parler des causes d'ischémie myocardique et on va expliquer que finalement, ischémie myocardique n'est pas un synonyme parfait de maladie coronaire. Ce n'est pas des synonymes. Et on peut avoir de l'ischémie même en dehors de l'atteinte des artères coronaires. Bien, par la suite, on va essayer de définir les différents types de cardiopathie coronaire. Voilà, et là, la classification actuelle, c'est par deux grandes entités. Alors, vous avez le syndrome coronarien chronique, hein, c'était l'ancien encore d'effort stable, qu'on appelle actuellement syndrome coronarien chronique, qu'on diffère de quoi, qu'on sépare de quoi finalement des syndromes coronariens aigus, qui sont des urgences et qui eux-mêmes vont être subdivisés en syndrome coronarien aigu sans suscécalage du segment ST, persistant du segment ST, qu'on appelait encore instable, et puis surtout le syndrome coronarien aigu avec suscécalage persistant du segment ST, qui est anciennement appelé l'infarctus à la phase aiguë. C'est bon? Bien. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, les cardiopathies ischémiques sont extrêmement importantes à étudier parce qu'ils sont la première cause de mortalité dans les pays industrialisés, bien que cette mortalité a baissé. Je pense qu'actuellement, ils sont ex aequo avec le cancer, et ça reste une source de mortalité extrêmement importante. Alors, c'est dû à quoi finalement? C'est dû un petit peu au mode de vie occidental, mais avec tous les facteurs de risque que vous connaissez, qui sont l'obésité, le diabète, la malbouffe, etc. Alors, ce que j'entends par maladie cardiovasculaire, c'est en fait toutes les complications de l'athérosclérose. Alors, l'athérosclérose, vous savez ce que c'est? C'est un dépôt au niveau des artères, hein, de l'intima des artères, ben de quoi? De cholestérol, de ce complexe, tout ça, et qui vont avoir tendance à obturer les artères, à réduire leur diamètre. Bien, l'expression de ces maladies cardiovasculaires va être extrêmement, extrêmement variée, ben, selon quoi finalement? Selon la localisation du territoire touché. L'athérosclérose est une maladie ubiquitaire, ça peut toucher beaucoup de territoires artériels. Et selon le territoire, vous allez avoir des manifestations cliniques extrêmement variées. Donc, ça peut partir, ben, on peut citer les accidents vasculaires cérébraux, essentiellement ischémiques liés à l'athérosclérose carotidienne. Ça peut être les cardiopathies ischémiques liées à quoi finalement à l'athérosclérose coronaire, ou hein, ça peut être au niveau des membres inférieurs, artériopathie des membres inférieurs. Ça peut donner de l'hypertension artérielle suite à une sténose athéromateuse de l'artère rénale, etc. Donc, vous voyez bien que la présentation clinique est extrêmement variée selon la localisation du territoire artériel. Bien. Mais parmi toutes ces localisations qui seront de gravité différente, les plus mortelles, les plus graves sont les localisations cardiaques, les cardiopathies ischémiques, et puis les localisations cérébrales qui donnent les accidents vasculaires cérébraux. Bien. Et donc, ces maladies sont restées longtemps un problème de santé publique dans les pays industrialisés. Et quand c'est le cas, ils ont essayé de chercher des solutions. Alors, selon vous, quelles vont être les meilleures solutions pour pouvoir réduire cette mortalité? Bien.
Eh bien, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de faire de la prévention et de la prévention primaire. Alors, ça veut dire quoi de la prévention primaire? C'est-à-dire qu'on va essayer de lutter finalement contre les sources de l'athérosclérose qui sont les facteurs de risque. Eh bien, ça nous évitera d'avoir finalement la maladie, c'est-à-dire prévenir avant même qu'il y ait une manifestation clinique. Cette prévention, finalement, de risque. Bien, c'est ce que les pays développés ont essayé de faire, mais bon, ça n'a pas été un franc succès non plus, ça n'a pas été un succès. Alors pourquoi cela? Parce qu'il est extrêmement difficile de motiver un patient qui n'est pas malade. Donc faire de la prévention primaire, finalement, c'est quoi? C'est un petit peu changer les habitudes de vie d'un patient. Hein? Voilà, mais un patient qui ne sent rien, peut-être qu'il n'a rien demandé. Sa vie lui plaît bien, peut-être envie de continuer de fumer, prendre des fast-foods, etc. Et donc, on va avoir un problème de motivation du patient, si bien que la prévention primaire n'a pas donné de très bons résultats. Bien, même le COVID. Bien. Alors, deuxième piste pour réduire ces maladies, c'est de faire cette fois-ci de la prévention secondaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prévention secondaire? C'est-à-dire que le patient a de l'athérosclérose, il a développé déjà une complication de l'athérosclérose, on fait une manifestation clinique, et on va donner des traitements et lutter contre les facteurs de risque pour éviter cette fois-ci récidive. Bien, alors prévention secondaire basée sur toujours la lutte des facteurs de risque, mais aussi des médicaments prescrits en prévention secondaire. Alors ça marche un petit peu mieux, la prévention primaire. Parce que le patient est plus motivé. Là, il a eu, comme il a eu une manifestation clinique, donc il est un petit peu conscient de la dangerosité, il est conscient de sa maladie. Mais ce n'est pas ça qui a réduit aussi considérablement, qui améliore considérablement le pronostic. Alors, le pronostic a été par contre particulièrement amélioré par tout simplement la prise en charge. La prise en charge précoce, surtout des syndromes coronariens aigus sans la partie urgente des cardiopathies ischémiques. Alors, cette prise en charge précoce, ou l'essentiel de cette prise en charge, excusez-moi, précoce, consiste à faire quoi finalement? À assurer une revascularisation la plus précoce possible quand l'artère se bouche pour éviter la nécrose. Alors, pourquoi cela? Parce que la nécrose va être par la suite irréversible et on ne pourra plus la rattraper. Et donc, cette revascularisation précoce a permis un petit peu d'améliorer, de bouleverser, d'améliorer le pronostic des maladies cardiovasculaires. On a pu, grâce à ça, diminuer considérablement la mortalité. Alors, pour pouvoir faire cette prise en charge précoce, il faut deux conditions. La première, c'est que le patient consulte. Si le patient consulte, vous ne pouvez pas le prendre en charge à la phase aiguë. Et puis, il faut que le diagnostic soit fait. Et donc, il faut premièrement, une éducation du patient. Il faut que le patient puisse reconnaître les symptômes, ne pas les négliger, consulter à temps pour qu'il puisse être pris en charge. Et ça, c'est passé par des campagnes grand public de sensibilisation, d'éducation. Là, on n'a pas de statistiques précises dans notre pays, mais notre pratique quotidienne nous montre que finalement, c'est en augmentation constante. Écoutez, les cardiopathies ischémiques, par exemple, explosent chez nous et c'est en train de devenir, même chez nous, un problème de santé publique. Alors, chez nous, par contre, c'est la double peine, parce que ça augmente. On n'a pas les moyens de les prendre en charge. Bon, mais ça, c'est notre histoire. Bien, alors après cette introduction, on va faire un petit rappel anatomique de la circulation coronaire. Est-ce que je fais un pointeur dessus? Est-ce qu'il réussit à voir la flèche? Je vais passer sur le pointeur. Non. À noter un projecteur. Bien.
Alors, les artères coronaires, ce sont celles qui sont sur la vascularisation du cœur, du myocarde notamment. Et elles sont en nombre de deux. Elles naissent au niveau de l'aorte, au niveau du sinus, hein, de l'aorte sinusale, qui est la partie toute initiale de l'aorte. Et elles sont en nombre de deux, l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Alors, l'artère coronaire gauche est composée d'un tronc commun qui va lui-même se diviser en deux branches. L'interventriculaire antérieur, que vous voyez ici, qui descend le long du sillon interventriculaire. Et puis, j'ai perdu mon projecteur. Ce n'est pas grave, j'ai utilisé la flèche. Et puis, la circonflexe qui va vers la partie latérale. Bien. Alors, l'interventriculaire antérieur va donner à son tour deux types de collatérales, les septales qui vont pénétrer profondément dans le septum interventriculaire ou le vasculariser, et puis les diagonales qui vont finalement vasculariser la partie antérieure du ventricule gauche. Et puis cet interventriculaire antérieur qui chemine entre les deux ventricules, c'est pour ça qu'on appelle interventriculaire, va finalement descendre jusqu'à l'apex pour vasculariser l'apex. Bien. Et donc vous voyez que cette artère finalement vascularise une grande partie du ventricule gauche, qui est le septum par les septales, la partie antérieure par les diagonales et l'apex du ventricule gauche. Et donc, c'est une artère extrêmement importante, c'est la plus importante. C'est pour ça qu'on l'appelle l'artère de la vie. Bien, la circonflexe, à son tour, va donner d'autres collatérales, qui sont les marginales, et ces marginales vont vasculariser la partie latérale du ventricule gauche. On passe à la coronaire droite qui va naître du sinus droit et qui va faire quoi? Contourner, tel que vous le voyez ici, le ventricule droit pour finalement rejoindre la partie, là on la voit, mais sur une image inversée, une vue postérieure, elle contourne le ventricule droit, le ventricule droit maintenant est à gauche, parce qu'on voit postérieure, elle contourne le ventricule droit pour revenir vers la partie inférieure du ventricule gauche qu'elle va vasculariser, la partie inférieure ou la partie postérieure. Bien. En contournant le VD, elle émet aussi ce qu'on appelle des marginales droites qui vascularisent le VD. Bien. Donc, résumons-nous. Les diapos ne passent pas. Bien. Alors, ça, c'est un petit peu l'aspect des coronaires tel qu'on le voit à la coronarographie. Dans la coronarographie, on aura l'occasion d'en parler, mais sachez que c'est un petit peu l'examen de référence pour visualiser ces artères coronaires. Ben, nous, c'est comme ça qu'on les voit, hein, malheureusement, on les voit noir et blanc. Alors, c'est quoi le principe, en fait? C'est de prendre une sonde, injecter un produit radio-opaque pour pouvoir les voir et les filmer grâce au rayon X. Vous voyez la sonde qui est en train d'injecter. Là, vous avez le tronc commun qui est là, qui est court, qui est la partie commune. L'IVA qui descend jusqu'à l'apex. Et puis là, vous avez la circonflexe. Alors, remarquez que l'IVA, on ne la voit pas très bien parce qu'il y a des superpositions. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va changer d'incidence, changer d'angle de vue. Là, vous voyez l'IVA avec les septales qui partent ici pour le septum et les diagonales pour la partie antérieure du ventricule gauche. La circonflexe est bien visible ici, voilà, avec ces fameuses marginales qui, elles, vascularisent la partie latérale. Faut suivre. Bien, alors là, c'est la coronaire droite, donc on change de côté, puisqu'on est parti à droite, on change de sonde aussi. Remarquez que la coronaire droite va faire quoi finalement? Contourner le ventricule droit pour aller vers la partie inférieure, postérieure du ventricule gauche. Bien. Donc là, on sait par exemple que le ventricule droit et la partie postérieure du ventricule gauche ont la même vascularisation. C'est pour ça qu'un infarctus du ventricule inférieur peut se compliquer d'une extension du OVD, n'est-ce pas? Mais pas un infarctus antérieur. Pourquoi? Parce que la partie postérieure et VD ont la même artère qui les nourrissent, c'est la coronaire. Résumons-nous, coronaire gauche, tronc commun dans l'IVA, ça vascularise quoi?
septum, partie antérieure, et l'apex du ventricule gauche. Et la circonflexe, elle va vasculariser quoi? La partie latérale du ventricule gauche, toujours. La coronaire droite vascularise le VD, à l'image de la droite, et la partie postérieure du ventricule gauche. Bien. Alors, pourquoi c'est important de connaître cette vascularisation coronaire? Pourquoi c'est important de connaître quelle artère vascularise quelle partie du ventricule gauche? Eh bien, on sera amené pour prendre en charge les cardiopathies ischémiques, surtout les salons coronariens aigus, à savoir, à pouvoir identifier l'artère coupable, c'est-à-dire l'artère qui est responsable du salon coronarien aigu, par exemple, actuel. Donc, pour identifier l'artère coupable, il faut avoir deux informations. Alors, la première, ça va être le territoire de l'ischémie. C'est quelle partie du cœur qui est en train de souffrir? Est-ce que le patient a une ischémie de l'apex, de la partie antérieure, de la partie postérieure? Donc, pour ça, on va s'aider de quoi finalement? De l'électrocardiogramme, qui est un outil extrêmement important, extrêmement utile pour diagnostiquer l'ischémie et la localiser. Bien. Alors, si je connais la localisation de l'ischémie et si je sais par quelle artère ce territoire va être vascularisé, eh bien, je pourrai aisément identifier l'artère coupable. Voilà. Voilà l'intérêt un petit peu de connaître l'anatomie des artères coronaires. Bien. Alors maintenant, on va parler un petit peu de sa physiologie. Alors, vous allez voir que, comme toute circulation, voilà, circulation coronaire va avoir des propriétés, mais elle a quand même quelques spécificités propres à elle. Bien, alors la première, c'est qu'elle est de type terminal. Alors, ça veut dire quoi de type terminal? C'est-à-dire qu'un territoire coronaire n'est vascularisé par qu'une seule artère. Il n'y a pas de pan, il n'y a pas d'anastomose entre les différents troncs artériels. Ben, c'est ça un petit peu qui cause problème, ben, parce que si vous bouchez une IVA, qui vascularise la partie antérieure du VG, eh bien, il ne pourra pas recevoir du sang des autres axes, puisque les autres axes ne communiquent pas entre eux. Okay. Ben, ça, c'est à l'état basal. Hein. Ensuite, si on a de l'ischémie, si on a de l'ischémie chronique, ça peut favoriser un petit peu cette collatéralité, mais on va dire qu'à l'état basal, ben, la circulation est de type terminal. Alors, deuxième particularité, ben, c'est une vascularisation qui se fait essentiellement en diastole. Alors pourquoi ça? Parce que ça vascularise le cœur, ça vascularise un muscle, et un muscle qui est en perpétuel mouvement. Et bien, le cœur, en se contractant en systole, il va développer une pression. Et cette pression développée par la contraction du ventricule va s'opposer à sa propre irrigation. Et donc, la contraction du myocarde, la pression qu'il développe, va gêner sa vascularisation, si bien que la vascularisation se fait essentiellement en diastole. Donc, on comprend que tout ce qui peut nous raccourcir la diastole ou la pression artérielle diastolique est susceptible de provoquer ou d'aggraver de l'ischémie. Bien. Alors, cette pression de la contraction est maximale au niveau des couches sous-endocardiques, c'est-à-dire les plus proches de la cavité, c'est là où la pression est maximale. Et bien, c'est pour cela que ces couches-là sont les plus susceptibles, les plus vulnérables à l'ischémie. Bien. Troisième particularité, eh bien, c'est une circulation qui est capable d'augmenter considérablement son débit. Alors, ça vient du fait que ben, le cœur varie son travail pour répondre aux besoins de l'organisme. Alors, si vous faites un effort, par exemple, ben, votre organisme aura besoin de plus de débit cardiaque, ben, le cœur est obligé de pomper plus vite, plus fort, et donc lui-même, il va augmenter son travail. Donc, l'augmentation du travail du cœur va augmenter ben, logiquement ses besoins, et donc il va nécessiter plus de débit coronaire. Eh bien, que fait la vasculation coronaire? Ben, elle peut augmenter sa capacité, elle peut augmenter son débit un facteur allant jusqu'à 5 à 6. Donc, on introduit ce qu'on appelle la notion de réserve coronaire. C'est quoi une réserve coronaire finalement? Ben, c'est la capacité qu'a la circulation coronaire d'augmenter son débit selon les besoins, surtout notamment à l'effort. Ben, si je dis que la réserve coronaire est de 5, c'est-à-dire que la circulation coronaire est capable de multiplier par 5 son débit pour assurer
les besoins croissants du myocarde. Et alors, cette capacité à augmenter son débit se fait par un système d'autorégulation complètement autonome. Vous savez très bien que le cœur est autonome, hein? Il est autonome sur le plan électrique, n'est-ce pas? Mais il est autonome sur le plan de contraction, mais il est aussi autonome en matière de circulation coronaire. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que si vous faites un effort, il va y avoir plus de métabolites, par exemple de l'adénosine, hein, du CO2. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de plus d'ATP. Ça va hydrolyser l'ATP en ADP et ça va créer de l'adénosine. Cette adénosine va agir comme un puissant vasodilatateur local. Et donc, ça va entraîner une vasodilatation artériolaire, ce qui permet d'augmenter le débit coronaire. Et donc, cette régulation est une régulation automatique, autorégulation. Elle se fait essentiellement par l'intermédiaire de métabolites. Donc, c'est une autorégulation métabolique. Bien. C'est bon? On continue? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... S'il y a des questions, levez la main, sinon on continue. Bien. Parfait, merci. Très bien. Alors, après le rappel anatomique, on fera un petit rappel physiologique et on va peut-être tarder sur cette partie parce qu'elle est extrêmement importante. Alors, j'aimerais que vous vous concentrez un petit peu pour pouvoir comprendre la balance apport-besoin. Alors, la circulation coronaire, qu'est-ce qu'on lui demande finalement? C'est d'assurer un équilibre permanent en tout temps entre ses apports et puis les besoins du myocarde. Il va y avoir des facteurs qui vont influencer les apports. D'un côté, ben c'est un petit peu le côté gauche, la balance. Et puis, vous avez des facteurs, d'autres facteurs qui, au contraire, vont assurer, vont modifier les besoins, ce qu'on appelle la MVO2, les besoins en oxygène du myocarde. Et la circulation coronaire doit en permanence équilibrer ces deux entités. Bien. Alors, commençons par les apports et qu'est-ce qui peut influencer les apports? Alors, la première des choses, la plus importante, celle qui est en rouge, ça va être quoi? Ça va être la perfusion coronaire. Alors, la perfusion coronaire, c'est-à-dire un petit peu le débit coronaire. Alors, cette perfusion coronaire elle-même va dépendre de trois facteurs. Alors, le premier, c'est le diamètre de l'artère coronaire. On comprend aisément qu'une pathologie qui me réduise le diamètre, qui me réduit le diamètre de l'artère coronaire, par exemple, l'athérosclérose, on va faire quoi finalement? Diminuer les apports. Et ça, c'est le mécanisme principal des cardiopathies ischémiques liées à l'athérosclérose coronaire. Il n'y a pas que le diamètre, il y a aussi le débit cardiaque, la pression aortique, c'est-à-dire la pression de perfusion coronaire, et surtout la pression diastolique. Alors, rappelez-vous, la circulation coronaire se fait essentiellement en diastole. Donc là, on comprend par exemple qu'une pathologie qui diminue la pression diastolique est susceptible de provoquer de l'ischémie, l'exemple type étant l'insuffisance aortique importante. Bien. La durée de la diastole aussi, et puis la pression intraventriculaire. Bien. Alors, deuxième paramètre qui va influencer les apports, ça va être la saturation en oxygène. Bien. Alors, la saturation d'oxygène, qui, elle, dépend de quoi, finalement? Ben, de la quantité d'hémoglobine dans le sang et puis la saturation de cette hémoglobine. Et donc, par exemple, si vous avez une anémie sévère, là, la saturation en O2, enfin, la quantité d'oxygène va diminuer. Et donc, vous allez avoir quoi, finalement? Ben, de l'ischémie, soit fonctionnelle, soit organique, soit aggravation d'une ischémie organique liée à l'anémie. Bien. Alors, ce facteur-là est rarement responsable à lui seul d'une ischémie, mais il est susceptible d'aggraver une ischémie liée à un autre
pathologie comme une pathologie athérosclérose coronaire. Et donc, vous voyez que ces mécanismes-là peuvent se combiner entre eux. Alors, troisième élément, c'est l'extraction NO2 par le myocarde. Alors, des fois, la perfusion coronaire est correcte, la saturation d'oxygène est bonne, mais l'oxygène a du mal à quitter l'hémoglobine pour rejoindre le tissu myocardique. Alors, ce mécanisme est lié essentiellement, enfin, se trouve dans un cas un petit peu particulier, qui est le choc, oui, endotoxinique, le choc infectieux. Vous avez plein de toxines qui vont faire quoi finalement? Bloquer l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, c'est-à-dire empêcher sa diffusion vers le tissu et notamment vers le myocarde, et ce qui peut créer une ischémie extrêmement sévère du cœur. C'est pour ça que un petit peu le choc endotoxinique passe par plusieurs phases, une phase hyperkinétique, mais une phase aussi hypokinétique à la fin, liée à une souffrance ischémique myocardique. Bien. Alors, cette souffrance est liée à quoi? Encore une fois, un défaut d'extraction en oxygène. Bien. Alors, parmi tout ce que j'ai dit, l'élément le plus important, bien sûr, ça va être quoi? Ça va être la perfusion coronaire. Et l'élément le plus important de la perfusion coronaire, ça va être quoi? Le diamètre de l'artère coronaire. C'est le principal déterminant des apports coronaires. Alors, passons de l'autre côté de la balance. Les besoins d'oxygène vont dépendre de quoi? Bien sûr, du travail cardiaque et donc, premièrement, de la fréquence cardiaque. Donc, on comprend aisément qu'un cœur qui bat plus vite, hein, va travailler plus et va avoir besoin de plus d'oxygène. Très bien. Ben, c'est pour ça que les tachycardies, par exemple, peuvent créer de l'ischémie ou aggraver une ischémie préexistante. Alors, deuxième élément, ben, ça va être l'inotropisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par inotropisme? Tout simplement, c'est la force de contraction cardiaque. Bien. Et cet inotropisme va être un petit peu influencé par deux paramètres, essentiellement la post-charge et puis la précharge. Ce n'est pas la post-charge, c'est finalement tous les obstacles que doit vaincre le ventricule pour pouvoir éjecter. N'est-ce pas? Il y a plein de pathologies qui peuvent augmenter cette post-charge, comme l'hypertension artérielle. Si la post-charge augmente, il faut que le cœur développe plus de force pour vaincre cette post-charge. Et donc, son inotropisme, son travail va augmenter et ses besoins d'oxygène également augmentent. Voilà. Donc là, on comprend par exemple qu'un pic hypertensif qui augmentera considérablement la post-charge, le ventricule gauche doit pouvoir développer plus de tension, plus de force pour pouvoir éjecter et susceptible de créer de l'ischémie. Bien. Alors, dernier élément, ça va être la tension pariétale qui est assimilée à la précharge. La précharge, c'est un petit peu le volume, hein, du ventricule gauche diastolique. Alors, pourquoi cela? Après, il faut plus de force. Plus le VG se dilate, plus il faut de force pour pouvoir assurer la même pression. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que presser, à pression égale, presser une grande cavité demande plus de force que de presser une petite. Et donc, plus la cavité se dilate, plus il va falloir de la tension pariétale, de la force, pour pouvoir assurer la même pression. Bien. Et donc, n'importe quelle pathologie qui puisse influencer les apports, les besoins ou les deux en même temps est susceptible de donner de l'ischémie myocardique. Bien, alors prenons quelques exemples. Alors, le premier, ben, on va prendre l'exemple de l'insuffisance aortique. Alors, est-ce que l'insuffisance aortique est une pathologie qui peut donner de l'ischémie myocardique? Ben, c'est très simple. On va voir si cette pathologie influence les apports et si elle influence les besoins. Alors, du côté gauche, qu'entraîne une insuffisance aortique quand elle est importante? Une baisse de la pression diastolique. Une baisse de la pression diastolique va compromettre la perfusion coronaire qui, elle, on l'avait dit, dépend de la pression aortique diastolique. Passons du côté droit, la balance. L'insuffisance aortique va augmenter quoi finalement? Ben, la tension pariétale, parce que le ventricule gauche se dilate, il faut plus de pression, plus de force pour presser cette grande cavité. Et donc, on va avoir une valvulopathie qui ne touche pas les coronaires, mais qui est susceptible de donner de l'ischémie myocardique quand elle est importante, parce qu'elle va à la fois réduire les besoins, enfin à la fois réduire les apports et augmenter les besoins. Et on comprend qu'un patient qui a une insuffisance aortique importante
peut avoir un encore comme symptôme, même s'il n'a pas de maladie coronaire. Ce qu'on appelle un encore fonctionnel. Voilà. Deuxième exemple, une tachycardie. N'importe quel type, imaginons que le patient fasse un trouble du rythme. La tachycardie va entraîner quoi finalement? Raccourcissement des diastoles. L'accélération de la fréquence cardiaque se fait essentiellement dépendre des diastoles. Et donc, ça va compromettre quoi finalement ici? La perfusion coronaire. La tachycardie diminue les apports. L'autre côté de la balance, ben, la tachycardie augmente la fréquence cardiaque et donc, ça va augmenter les besoins. Diminuer les apports, augmenter les besoins, ben, une tachycardie est susceptible d'entraîner de l'ischémie. Alors, une tachycardie, quand elle est très rapide, peut entraîner de l'ischémie, même s'il n'y a pas de l'atteinte coronaire. Mais elle peut également aggraver une ischémie préalable liée à l'athérosclérose. Une anémie, pareil. Et donc, vous comprenez bien deux choses. Alors, la première, c'est ischémie ne signifie pas finalement atteinte coronaire. Plein d'autres pathologies peuvent donner de l'ischémie myocardique, même s'il n'y a pas d'atteinte coronaire. Et puis, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aggraver de l'ischémie d'origine coronaire, anémie, pas d'autre, tachycardie, hypoxie. Et donc, ces facteurs-là, facteurs aggravants de l'ischémie, sont très importants à rechercher et à corriger chez un patient qui a une cardiopathie ischémique. Alors, l'ischémie, ben, c'est quoi finalement? Ce n'est qu'un déséquilibre entre, ben, d'un côté, les apports et de l'autre côté, les besoins, diminution des apports et ou augmentation des besoins, bien sûr, ou les deux combinés en même temps. Bien. Quelles vont être par la suite les conséquences de cette ischémie? Alors, la première conséquence, ben, ça va être la diminution de la contractilité du myocarde. Eh bien, un myocarde qui n'est pas irrigué ne va pas pouvoir se contracter. Bien. Pire encore, si l'ischémie est sévère et si l'ischémie se prolonge, eh bien, on va avoir une nécrose myocardique. Une nécrose myocardique, c'est-à-dire que le tissu du myocarde meurt, se nécrose, et il ne va plus pouvoir se contracter. Il va être remplacé par de la fibrose qui ne se contracte pas, il va devenir complètement non fonctionnel. Alors, cette nécrose myocardique, c'est le pire qui puisse arriver, et c'est absolument ce qu'on doit éviter. Pourquoi cela? Parce que c'est une étape irréversible. Par la suite, le myocarde n'est plus récupérable. Et si cette nécrose est étendue, le patient peut en mourir. Donc, toute notre prise en charge de ces cas d'hépatite ischémique va avoir comme objectif principal d'éviter cette nécrose myocardique. Pourquoi? Parce qu'elle s'accompagne d'une perte irréversible de la fonction contractile des parois ventriculaires. Mais une paroi qui ne se contracte pas, une paroi dite akinétique, qu'on peut aisément voir à l'échocardiographie, hein, on voit qu'une paroi, une partie du ventricule ne se contracte pas, on parle d'akinésie, n'est-ce pas, n'est pas synonyme de nécrose. Elle peut être encore vivante, mais elle ne se contracte pas. Donc, nécrose signifie obligatoirement, si elle est totale, si elle est complète, akinésie d'une partie du cœur, d'une partie du ventricule, mais akinésie ne signifie pas forcément nécrose totale. Il peut y avoir quoi alors? Il peut y avoir de la viabilité myocardique. C'est quoi cette notion de viabilité? C'est très simple. Un myocarde qui est viable, c'est un myocarde qui est vivant, qu'on peut récupérer, n'est pas encore mort, mais qui ne se contracte pas. Alors, pourquoi ce myocarde ne se contracte pas? Eh bien, c'est lié à deux entités, deux cas de figure, mais deux cas de figure complètement différents. Bien. Le premier cas de figure, eh bien, c'est la sidération myocardique. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un myocarde qui est sidéré. Il ne se contracte pas, il est toujours vivant. Il peut récupérer par la suite une fonction contractile. Alors, pourquoi ce myocarde est sidéré? Ben, ça arrive quand le myocarde est soumis à une ischémie extrêmement sévère, mais brève. Elle n'est pas assez prolongée pour entraîner sa nécrose totale. Alors, le cas type, c'est quoi? C'est le cas de l'infarctus du myocarde. Une artère s'est bouchée. Tout le territoire qui dépend de l'artère
est victime d'une ischémie sévère et qui va se, si rien n'est fait, va se nécroser. Très bien. Alors, si l'ischémie tarde, le myocarde se nécrose et ça va être définitif. Si par contre l'artère se réouvre, soit spontanément, soit surtout parce qu'on a fait, parce qu'on a pris en charge, on a fait une angioplastie primaire, on l'a reperméabilisée dans les temps, et bien, la circulation coronaire va se refaire, va être rétablie, si bien que ça évite la nécrose du myocarde. Bien. Donc voilà un myocarde qui a été soumis à une ischémie extrêmement sévère, mais qui a été trop brève pour entraîner une nécrose totale. Malgré cela, il ne va pas récupérer, en certains cas, tout de suite une fonction contractile. Il va être sidéré. Sidéré. Bien. Alors, pourquoi il est sidéré? Parce qu'il a été soumis à une ischémie extrêmement sévère, il a failli mourir, il a vu de la mort entre les yeux, et donc il faut qu'il reprenne un petit peu ses esprits, n'est-ce pas? Quand tu vois la mort entre les yeux, ben, tu es sidéré comme ça un petit moment. Donc, il faut du temps pour récupérer. Alors, c'est dû à quoi finalement? C'est quoi l'explication? On ne sait pas trop. On pense que cette ischémie sévère entraînait un microclimat métabolique toxique avec présence de radicaux libres, tout ça, avec une acidose locale, tissulaire. Ce microclimat métabolique toxique n'est pas propice à la fonction contractile. Il faut attendre que la revascularisation lave un petit peu les tissus pour que le myocarde se mette à bouger, à se contracter de nouveau. Alors là, la sidération est très importante à savoir. Ça nous dit quoi comme information? Une information importante, c'est qu'après un infarctus et après une revascularisation efficace, eh bien, si je fais une échographie à ce patient, si je trouve une zone akinétique, eh bien, ce n'est pas forcément synonyme de nécrose, puisque je n'ai pas encore laissé le temps à la sidération myocardique de disparaître. Et donc, le résultat définitif, je vais l'avoir à distance. Si je fais une écho, ce n'est pas la véritable fonction myocardique. Je vais attendre 4 semaines, 6 semaines, le temps que la sidération passe pour avoir le résultat final. Bien. Alors, deuxième notion de viabilité, ou la deuxième catégorie de viabilité, et c'est l'hibernation myocardique. Alors, ça, c'est un concept extrêmement important. Alors, l'hibernation myocardique, c'est quoi? Ben, c'est toujours de la viabilité, c'est-à-dire quoi viabilité? Territoire akinétique qui ne bouge pas, mais qui est toujours vivant. Alors, l'hibernation, il y a quoi finalement? Un territoire qui est victime, non pas d'une ischémie aiguë, comme la sidération, mais d'une ischémie chronique. Bien. Et cette ischémie chronique va entraîner quoi? Va entraîner une baisse du débit coronaire d'une manière extrêmement importante et on l'encourt. Et donc, le myocarde va être soumis à un stress, il va recevoir de moins en moins de sang, de moins en moins d'oxygène. Et puis, il va faire la chose suivante. Ben, il reçoit pas assez d'oxygène pour à la fois assurer ses fonctions de base, de survie, fonctions métaboliques de base, et la fonction, sa fonction contractile. Il n'y a pas assez pour les deux. Je reçois de l'oxygène, mais pas assez pour assurer mes deux fonctions. À votre avis, il va privilégier quoi? Sa fonction vitale. Et donc, il va faire quoi ce myocarde? Puisqu'il n'a pas assez d'oxygène, il va privilégier sa fonction vitale au dépend de sa fonction contractile. Et donc, il va la sacrifier momentanément, il ne va plus bouger. Mais comme les fonctions vitales métaboliques de base sont toujours assurées, ben, le myocarde n'est pas mort. Bien. Ben, c'est l'hibernation comme l'ours polaire quand il hiberne. Alors, l'ours polaire, pourquoi il hiberne? Il n'y a pas assez de nourriture, n'est-ce pas? Donc, il pourra pas, il fait froid, il ne pourra pas à la fois assurer, manger et chasser. Donc, puisqu'il n'y a pas assez de nourriture, il va essayer de réduire au maximum ses dépenses énergétiques. Il va dormir. Alors, pourquoi je cite l'ours polaire? Là, vous êtes tous en train d'hiberner. Hein? Confinement, donc tout le monde est en train d'hiberner. Vous allez vous réveiller pour le temps, Inch'Allah, parce que vous n'avez pas assez d'énergie pour pouvoir à la fois assurer votre métabolisme de base et suivre un cours en humidité. L'hibernation myocardique est une notion extrêmement importante à savoir. Pourquoi? Parce que finalement, on peut récupérer ce myocarde. Encore faut-il aller le chercher.
Il faut le faire assez vite parce que l'hibernation, si le myocardique, si elle n'est pas revascularisée à temps, et bien ça peut entraîner quoi? Une nécrose irréversible du myocarde. Bien. Alors, sidération myocardique et hibernation sont deux aspects complètement différents. Ben, de quoi? De la viabilité. Je vous rappelle ce que c'est que la viabilité parce que c'est une notion importante. Ben, la viabilité, c'est un territoire hein, qui ne bouge pas, qui est akinétique, mais qui est toujours vivant, contrairement à la nécrose. Ce territoire est important à rechercher parce qu'il y a possibilité de le récupérer. C'est bon? Allez, on passe au chapitre suivant. On va aborder les causes d'ischémie. Exactement. Alors, les causes d'ischémie, ben, on peut un petit peu les classer selon les mécanismes. Et le premier mécanisme, le mécanisme principal, ça va être quoi? Ça va être la réduction du diamètre des artères coronaires. C'est par ce mécanisme que va agir l'athérome ou l'athérosclérose. Hein, l'athérosclérose, dépôt de lipides, de sucres complexes au niveau de l'intima des artères qui réduit leur diamètre. Hein, et bien, en réduisant le diamètre, ça entraîne l'ischémie. Ça, c'est le mécanisme des cardiopathies ischémiques. Sauf que réduction d'un diamètre de l'artère coronaire n'est pas synonyme d'athérosclérose. Il peut y avoir d'autres étiologies qui peuvent réduire ce diamètre. Alors, je peux avoir un spasme coronaire, même sur des coronaires saines. Alors, c'est quoi un spasme? Ben, c'est la musculeuse un petit peu des artères qui a tendance à se contracter. Quand elle se contracte comme ça, spontanément, ben, elle va réduire son diamètre. C'est ce qu'on appelle peut-être toujours les sténoses dynamiques. Elles ne sont pas fixes, mais sont liées, elles sont réversibles et liées uniquement à un spasme. Bien. Alors, je peux avoir aussi des coronarites d'origine diverse. Ostia de type syphilitique, à mon avis, très très rare. Des anomalies congénitales des artères coronaires. Donc, je peux avoir des pathologies coronaires, même chez le sujet jeune, même chez les enfants. Il y a une anomalie de naissance des artères coronaires. Ça peut être des artérites non inflammatoires, comme la maladie Takayasu ou autre. Ça peut être une réduction liée à une radiochimiothérapie. Hein, quand on fait une radiothérapie, irradier une tumeur, par exemple du thorax, ça peut toucher le cœur. Cette radiothérapie entraîne une fibrose et la fibrose est susceptible de scléroser et de réduire le diamètre des artères coronaires. Bien. Donc, réduction du diamètre coronaire n'est pas synonyme d'athérosclérose, mais ça reste quand même, l'athérosclérose reste la cause principale et la cause la plus fréquente. À côté de cela, je peux avoir des étiologies d'engorge dites fonctionnelles. Alors, c'est quoi fonctionnel? C'est-à-dire tout simplement que les coronaires ne sont pas atteintes, il n'y a pas d'atteinte coronaire, mais il y a un engorgement par déséquilibre des apports et des besoins. Bien. Alors, on a cité des exemples. Tachycardie, hein, vous voyez, ça augmente la fréquence cardiaque, ça raccourcit les diastoles, donc ça crée de l'ischémie. Insuffisance aortique, comme si on l'a expliqué, rétrécissement aortique, pareil, état de choc, etc., hypoxie, anémie. Bien. Très bien. Mais la cause la plus fréquente, bien sûr, reste l'athérosclérose coronaire, la cause la plus fréquente de l'ischémie myocardique. Très bien. Très bien. Alors, on va juste faire une pause de quelques.
Allez, on reprend. Donc, on passe à la définition et la classification des maladies coronaires. Et je vous ai dit qu'actuellement, alors ça ne veut pas passer, je pense que annotation. J'ai le truc figé là. C'est bon, bien, parfait. Excuse-moi. Très bien. Alors, définition, classification des maladies coronaires. Donc, avant, on va parler un petit peu des causes, de l'étiologie de la maladie coronaire, de l'athérosclérose. En fait, on ne connaît pas l'étiologie, on ne connaît pas la cause intime donc, de l'athérosclérose. Tout ce qu'on sait individualiser, et bien, ça va être quoi? Ça va être des facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qui augmente la probabilité d'avoir une atteinte coronaire. En fait, l'athérosclérose a l'air d'être un phénomène de vieillissement physiologique des artères. C'est-à-dire que ben, voilà, c'est un petit peu inéluctable. L'intima de l'artère étant n'ayant pas une étanchéité parfaite, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas empêcher le passage ben, de quoi? De lipides, de sucre qui vont s'accumuler au niveau des de l'intima, son endothélium. Et donc, on ne peut pas empêcher l'athérosclérose, sauf que, ben, écoutez, ça vient avec l'âge. C'est pour ça que l'âge est un facteur de risque principal. Bien. Alors, si c'est un phénomène de vieillissement un petit peu physiologique de l'artère, alors que font les facteurs de risque finalement? Les facteurs de risque ne font qu'accélérer ces phénomènes. Voilà. C'est-à-dire que plus on a des facteurs de risque, plus on accélère ce phénomène de vieillissement des artères, et plus il va y avoir accumulation et création de plaques d'athérome. Ces facteurs de risque, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un facteur de risque? C'est très varié. Ça peut être des facteurs constitutionnels comme l'âge, le sexe, ça peut être des habitudes de vie hein, comme la sédentarité, le tabagisme, ça peut être des maladies comme l'HTA ou des maladies métaboliques comme le diabète. Et la dyslipidémie, c'est de nature extrêmement variée, mais qui vont avoir un point commun. Et le point commun, c'est quoi? C'est qu'ils vont augmenter la probabilité d'avoir de l'athérosclérose ou une complication de l'athérosclérose. Alors, la classification la plus utile de ces facteurs de risque, c'est de les classer en facteurs de risque modifiables, facteurs de risque non modifiables. Alors, qu'est-ce que j'entends par facteur de risque modifiable? C'est un facteur de risque sur lequel je peux agir. Je peux agir soit complètement, donc un facteur de risque peut être complètement modifiable. L'exemple type, dans ce cas-là, ça va être le tabac. Le tabac est un facteur de risque complètement réversible. Alors, si un fumeur arrête de fumer après 4 ans, eh bien, le risque du tabac est complètement supprimé pour l'athérosclérose, n'est-ce pas? Il rejoint le risque du non-fumeur. Donc, c'est un facteur de risque par excellence complètement réversible. Ou un facteur de risque modifiable peut être partiellement réversible, c'est-à-dire je peux agir dessus sans pour autant le corriger complètement. Un diabète, une hypertension, alors je peux équilibrer un diabète, n'est-ce pas? Ça diminue le risque de l'athérosclérose liée au diabète sans pour autant rejoindre celui du non-diabétique. Alors, ça veut dire que je peux agir dessus partiellement. Très bien. Les cardiopathies ischémiques, je vous ai dit en introduction, mais actuellement, on les sépare en deux grandes entités. Ben, les cardiopathies ischémiques stables, qu'on appelle les anorgnaria chroniques, ben, dans la présentation la plus fréquente, va être quoi? Va être longueur d'effort stable. Et puis, on les oppose à quoi? Aux anorgnaria aiguës, qui sont des urgences, n'est-ce pas? Et ces saracoméas aigus vont se subdiviser à leur tour en saracoméas aigus sans susdécalage persistant du segment ST, ce qu'on appelle le SCA-ST-, et le saracoméas aigu avec susdécalage persistant du segment ST ou l'infarctus à la phase aiguë. Bien. Ces deux entités sont complètement différentes. Pourquoi cette distinction? Parce que les premières sont des maladies chroniques. Alors que le deuxième, c'est des urgences. Alors, les deux sont donnés par l'athérosclérose.
Mais pourquoi l'athérosclérose peut donner deux entités si différentes? Eh bien, ça va dépendre un petit peu de la nature des plaques, c'est-à-dire les lésions athéromateuses responsables des cernes aigus sont différentes des lésions athéromateuses responsables de l'angor d'effort stable ou du syndrome coronarien chronique. Alors, commençons par le syndrome coronarien chronique ou l'angor d'effort stable. Alors, ceci est lié à quoi? Ben, à des lésions, à des sténoses serrées. Alors, c'est quoi une sténose? C'est quand la plaque d'athérome, on parle de sténose, quand la plaque d'athérome réduit considérablement le diamètre de l'artère coronaire. Et quand le diamètre est considérablement réduit, on parle de sténose. Et donc, la plaque d'athérome pousse extrêmement lentement pour qu'elle devienne sténosante, c'est que c'est des plaques, c'est des sténoses qui sont anciennes. Plus elles sont anciennes, plus elles vont avoir quoi? Un ventre lipidique que vous voyez ici qui va être réduit et puis couvert de quoi? D'une chape fibreuse qui est épaisse. Et donc, plus la chape fibreuse est épaisse, plus la plaque est solide. Et donc, ces plaques anciennes vont avoir quoi comme caractéristiques? On va avoir les caractéristiques suivantes. C'est qu'elles ont un ventre lipidique petit, chape fibreuse fine, elles vont être de grande taille, donc elles vont être à la fois stables, c'est-à-dire solides, et puis sténosantes. Et donc, celles-ci vont être responsables de quoi? Ben de l'angor d'effort chronique stable. Pourquoi l'angor est finalement chronique et stable? Ben, c'est lié à deux choses, à la chronicité de cette lésion et puis à son caractère stable de la plaque d'athérome. J'ai tendance à trop me rapprocher de l'écran. Alors que les cernes coronariennes aiguës sont liées aussi à des lésions athéromateuses, mais de nature différente. Alors, c'est des lésions qui sont plus jeunes, plus fraîchement déposées. Et donc, ils vont avoir un ventre lipidique relativement plus volumineux, que vous voyez ici, est recouverte d'une chape fibreuse fine. Elles ne sont pas forcément sténosantes, c'est des plaques qui sont instables. Alors, pourquoi c'est des plaques qui sont instables? Parce que finalement, le ventre lipidique est mou, n'est-ce pas? Et cette mollesse est recouverte par quoi? Par une chape fibreuse qui est fine. Tiens. Et je donne souvent l'exemple d'un lac gelé. Hein, imaginons que vous avez un lac gelé, c'est-à-dire de l'eau, couvert d'une fine pellicule de glace. Imaginons que vous vous mettiez au centre de ce lac, ne le faites pas, hein, c'est un exemple, hein, et que vous commencez à sautiller dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la glace risque de se briser. Alors, pourquoi elle se brise? Pour deux raisons. C'est qu'elle est fine, elle n'est pas solide, et puis elle repose sur quelque chose de mou. Il n'y a pas une assise solide dessus. Et donc, c'est exactement ce qui se passe dans ces plaques dites instables. Et qu'est-ce qui sautille à l'intérieur finalement sur la plaque? Pas vous, mais la pression du sang à l'intérieur des artères coronaires. C'est-à-dire que ça va pousser hein, cette plaque. Et comme la plaque ne repose pas sur quelque chose de solide, comme elle est mince et fragile, elle est susceptible de se rompre. Alors, ces plaques-là sont dites des plaques vulnérables, et ces plaques vulnérables susceptibles de se rompre vont être responsables des syndromes coronariens aigus. Alors, pourquoi cela? En se rompant, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner la mise à nu du sous-endothélium, ce qui va activer les plaquettes et s'entraîne un clou plaquettaire. Alors, ce clou plaquettaire va à son tour activer l'hémostase secondaire, la coagulation. Il va être doublé d'un caillot de sang, d'un clou fibrino-pruorique. Un clou fibrino-pruorique qui va devenir comment? Qui va croître rapidement et qui va devenir rapidement soit subocclusif, soit complètement occlusif. Alors, s'il est subocclusif, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne un syndrome coronarien aigu ST-. Si maintenant le thrombus est complètement occlusif, ça crée une ischémie sévère, la paroi myocardique, ça crée un sus-décalage sur l'électrocardiogramme, et bien, et ça nous donne un quoi? Un ST plus. Bien.
Donc, le serpent nerveux aigu, finalement, ont un mécanisme extrêmement différent des serpents nerveux chroniques, avec des lésions athéromateuses à l'origine complètement différentes. Donc, serpent nerveux chronique, pour résumer, il y a des plaques anciennes, solides et stables. Et la présentation clinique va être stable. Alors que les serpents nerveux aigus sont liés à des quoi? Rupture de plaques vulnérables. Rupture de plaques vulnérables qui entraîne des phénomènes thrombotiques. C'est ce qu'on appelle l'athérothrombose. Les serpents nerveux aigus sont liés à l'athérothrombose. Alors, formation d'un thrombus, soit suboclusif, ça donne un ST moins, soit complètement occlusif, ça donne un ST plus. Bien. Alors aujourd'hui, on va juste aborder les serpents nerveux chroniques. On fera les syndromes qu'on a vus dans une autre séance, Richard. Très bien. Donc, syndrome coronarien chronique, quelles vont être les différentes formes? Bien. Alors, la forme la plus fréquente, la plus caractéristique, va être langueur chronique stable. C'est quoi une langueur chronique stable? Ben, c'est un langueur qui apparaît à l'effort, uniquement à l'effort. Bien, je répondrai aux questions plus tard, parce que je reçois des questions en discussion, on va les répondre plus tard. Donc, uniquement à l'effort et qui va être stable, c'est-à-dire quoi stable? C'est-à-dire qu'il ne va pas changer ses caractéristiques. Et là, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Bien. Sauf que ce n'est pas la seule forme des syndromes coronariens chroniques. On peut avoir d'autres formes, comme la cardiomyopathie d'origine ischémique ou comme l'angor spastique. On va dire que la majeure partie des syndromes coronariens chroniques est représentée par l'angor d'effort. Bien. Alors, sachez une chose, je vais y arriver. Par contre, je n'arrive plus à faire passer les diapos et c'est bon. Sachez qu'il n'y a pas de cloison entre les deux. Hein, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un patient ben, peut par moment avoir un syndrome coronarien chronique ou être suivi pour un syndrome coronarien chronique et faire un syndrome coronarien aigu. D'accord? Vice-versa, un patient qui s'en sort d'un syndrome coronarien aigu passe en syndrome coronarien chronique. Alors pourquoi? Parce que les mêmes lésions, athérosclérose, d'âge différent, peuvent coexister chez le même patient. Donc, je peux avoir une lésion au niveau de l'IVA, hein, chronique, sténosante, stable. Je peux avoir un syndrome coronarien chronique. Je peux faire une rupture de plaque au niveau de la coronaire droite et faire un syndrome coronarien aigu. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière entre les deux. Bien sûr, on ne peut pas faire les deux en même temps chez le même patient, mais à tout, enfin, le même patient peut faire les deux entités à des moments différents. Et c'est pour ça qu'actuellement, on considère la maladie coronaire comme une maladie chronique, hein, comme les autres maladies chroniques. Bien, alors, maintenant, on va un petit peu détailler plus l'angor d'effort stable, qui est l'entité principale, j'avais dit, du syndrome coronarien chronique. Parlons un petit peu du diagnostic. Alors, le diagnostic va être essentiellement clinique, basé sur un maître symptôme qui est la douleur thoracique. Bien. Et donc, il faut une analyse sémiologique extrêmement soigneuse pour pouvoir apporter ce diagnostic. Alors, comment est décrite cette douleur? Alors, le patient va présenter déjà un angor. Alors, c'est quoi un angor? Ben, c'est une douleur constrictive. Et l'angor est le maître symptôme de la maladie ischémique, de l'ischémie myocardique. Alors, que va vous dire le patient finalement? Il vous dit qu'il sent son cœur se serrer, quelque chose qui lui serre le cœur. Il peut même, comme sur l'image que vous voyez, symboliser ça par ses gestes. Hein, c'est un petit peu le langage corporel. Il va faire quoi finalement? Il va vous dire, ben, je sens, il va mettre son poing serré. Et le poser sur son sternum. Et il vous dit quoi finalement avec son gestuel? Il y a quelque chose qui me serre le cœur. Bien. Ou bien, il peut aussi mettre un petit peu ses deux mains de part et d'autre de son thorax et de presser.
Il vous dit quoi finalement? Son thorax en train de lui comprimer le cœur. Et donc, c'est une douleur décrite par le patient comme étant constrictive. Ça lui sert. C'est une douleur qui est rétrosternale. Vous voyez ici sur ce schéma un petit peu la projection de cette douleur, rétrosternale, étalée. Ça, c'est un élément important. Des douleurs punctifantes que le patient montre par son doigt sont pas d'origine ischémique. Très probable. Alors que la douleur d'origine coronaire, longore, est généralement une douleur étalée. Rétrosternale, étalée, constrictive. Très bien. Irradiant vers les épaules. Bien. Alors, l'irradiation, ce que vous voyez ici en rose, je ne sais pas si c'est évident, ça peut irradier, tu réussis à voir, ça irradie vers les bras, surtout la face intérieure des deux bras. Ça irradie vers la mâchoire. Voilà, c'est des irradiations typiques. Bien. Très bien. Et grâce à ces caractéristiques, vous allez pouvoir déterminer l'origine ischémique, reconnaître l'origine ischémique. Donc, ça, ce qu'on a résumé, c'est finalement l'angor. Bien. Sauf que c'est un angor d'effort. C'est-à-dire que cette douleur, dans le syndrome de manière chronique, doit apparaître à l'effort, exclusivement à l'effort, jamais au repos. Alors, pourquoi cela? Tout simplement parce que la sténose athéromateuse, réduction du diamètre de l'artère coronaire, va réduire ce diamètre, va quand même laisser passer une quantité de sang, n'est pas complètement occlusif. Ce sang qui passe, ce débit coronaire qui reste, va être suffisant au repos. Alors pourquoi suffisant au repos? Parce que finalement, le myocarde ne fournit pas beaucoup d'efforts, le débit cardiaque n'est pas très élevé, et donc lui-même n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène. Et même si vous avez une sténose athéromateuse serrée, le peu de sang qui arrive est largement suffisant au repos. Si le patient fait un effort, par contre, qu'est-ce qui se passe? Le cœur va battre plus rapidement pour satisfaire les besoins d'effort. Augmentation des besoins des myocardes, notamment par augmentation de la fréquence cardiaque et de la force de contractilité. C'est la stimulation sympathique à l'effort. Augmentation des besoins, sauf que la sténose coronaire empêche l'augmentation du débit coronaire. Alors, que va me réduire finalement une sténose athéromateuse serrée? Elle va me réduire la réserve coronaire dans le territoire de cette sténose. Et là, on comprend que cette douleur finalement survient, ça fait partie de la définition, à l'effort et exclusivement à l'effort. Très bien. Encore d'effort stable. Troisième mot, stable. Mais cette stabilité, c'est quoi finalement? C'est le reflet de la stabilité de la plaque de la sténose athéromateuse. Alors, c'est vrai qu'elle grandit, mais elle grandit très très lentement pendant des années. Sur un laps de temps de quelques mois, elle ne va pas varier. Si bien que cette stabilité de cette plaque va se traduire sur la stabilité des symptômes. C'est-à-dire quoi, symptômes stables? C'est-à-dire que ça apparaît à l'effort, on l'a dit. Exclusivement à l'effort, mais elle va apparaître pour le même niveau d'effort. Si j'ai mal en montant trois étages, je vais avoir mal tout le temps en montant trois étages. La prochaine crise va pas être deux étages ou quatre, toujours le même niveau d'effort. Elle va garder la même intensité, elle va pas faire varier son intensité. Bien. Elle va céder au repos après le même laps de temps. Et elle cède après l'administration de dérivés nitrés. Alors, pourquoi elle cède après l'administration de dérivés nitrés? Parce que les dérivés nitrés ont une action vasodilatatrice coronaire qui vont augmenter le diamètre de coronaire permettant l'apport de plus de sang, ce qui soulage la douleur. Ceci est tellement efficace qu'on utilise ça à la fois comme un test diagnostique qu'on va voir plus tard de prescrire à visée thérapeutique. Très bien, résumons-nous, ça va être quoi? Des caractéristiques cliniques de la douleur de l'angor d'effort stable, douleur angineuse, constrictive, rétrosternale, étalée, irradiant vers les épaules, les bras, la mâchoire, apparaissant à l'effort et exclusivement à l'effort, stable, c'est-à-dire gardant les mêmes caractéristiques, la même intensité, même niveau d'effort, disparaît
au repos après le même laps de temps et gardant la même sensibilité à la trimétrie. Très bien. Dernier élément, pour pouvoir porter le diagnostic, il faut que cette douleur ait une certaine ancienneté, d'au moins 2 mois. Alors, pourquoi on exige une ancienneté? Eh bien, c'est pour juger de la stabilité de la douleur. Alors, c'est-à-dire quoi? Si j'ai une douleur qui est récente, que le patient a fait juste une ou deux crises, je n'ai pas d'éléments de comparaison pour dire que la douleur est stable. Voilà. La stabilité, c'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui ne varie pas dans le temps. Ça, la stabilité. Alors, pour pouvoir dire que la douleur est stable, il faut que je dispose d'un certain recul de temps. C'est pour ça qu'on dit classiquement qu'il faut au moins 2 mois du début de la douleur pour pouvoir dire et diagnostiquer cet angor d'effort stable. Est-ce que c'est clair? Bien. Et donc, le diagnostic, on a dit essentiellement clinique, basé sur l'interrogatoire et sur les caractéristiques de cette douleur. Alors, des fois, le diagnostic est rendu difficile. Alors, pourquoi il est rendu difficile? Parce que la douleur peut être, dans certains cas, atypique. Atypique par plusieurs aspects. Alors, des fois, elle est uniquement présente dans les zones d'irradiation. Alors, c'est un patient qui vous dit, écoutez, moi, quand je monte des escaliers, j'ai mal, mais je sens juste ma mâchoire qui me serre. Donc, au niveau du thorax, ça n'avait pas mal? Non. Au niveau du thorax, je ne sens rien. Bien. Alors, ça, c'est quand même un angor, mais c'est un angor dit atypique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas toutes les caractéristiques, toutes les caractéristiques de l'angor, des signes. Et donc, voilà, ça peut être cantonné aux irradiations. La douleur peut être d'une autre nature. Alors, elle peut être un type de brûlure. Alors, brûlure, c'est aussi typique. Hein. Alors, ça, je ne l'avais pas dit. Angor, soit constrictive, soit type de brûlure. Ça aussi, c'est typique. Bien. Alors, la douleur peut être complètement remplacée par autre chose. Remplacée par quoi? Par ce qu'on appelle des blocs pneus. C'est quoi bloc pneus? C'est un petit peu la sensation que le thorax se bloque à l'effort. Les patients ne sentent pas mal, mais ils sentent sa respiration bloquée. Et un bloc pneu, c'est un équivalent atypique d'angor. Dans certains cas, ça peut être même remplacé juste par la dyspnée d'effort. Bien. Alors, vous voyez que le diagnostic peut être facile quand le tableau clinique, quand la symptomatologie décrite est typique, mais il peut être plus difficile quand celle-ci est atypique ou bien par variation du type de la douleur ou bien par l'endroit, hein, sa zone d'irradiation, etc. Bien. Dans ce cas-là, même dans le premier cas, le diagnostic sera fait grâce aux examens complémentaires. Bien. Alors, l'interrogatoire ne se contente pas juste d'analyser les caractéristiques de la douleur, mais aussi les antécédents du patient. Et là, surtout, on va préciser les facteurs de risque. Alors, plus le patient cumule des facteurs de risque d'athérosclérose, plus la douleur thoracique devient suspecte d'être d'origine coronaire. Bien. Examen par la suite. L'examen est le plus souvent normal, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas d'ischémie au repos. Hein. L'ischémie est produite uniquement à l'effort. Et nous, on examine notre patient au repos. L'examen normal, dans la plupart des cas. L'examen doit aussi chercher d'autres localisations de l'athérosclérose. Donc, on doit ausculter les axes carotidiens, ausculter les artères fémorales, la recherche de souffle, d'autres témoins d'athérosclérose, interroger sur la présence du claudication intermittente ou autre, qui rentre dans un cadre athéromateux global. Bien. Alors, faire le diagnostic cliniquement, c'est bien, mais je vous ai dit que l'examen était normal et que c'est basé uniquement sur un signe fonctionnel qui est l'angor. L'examen est relativement facile quand l'angor est typique, mais ça reste quand même un signe subjectif. Alors, il nous faut un petit peu plus d'arguments, des arguments plus objectifs pour pouvoir affirmer, confirmer notre diagnostic. Et là, on va avoir recours à quoi, finalement? Aux examens complémentaires. Alors, le plus simple et le premier va être, bien sûr, l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme de repos, hein? Bien. Alors, là aussi, dans la majorité des cas, l'électrocardiogramme va être normal. Alors, pourquoi il va être normal? Parce que finalement, l'ischémie est présente à l'effort. Et nous, on va enregistrer un ECG au repos. Bien. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'ischémie à l'effort, on ne va pas pouvoir avoir des signes d'ischémie.
et l'ECG aura toutes les chances d'être normal. Qu'est-ce qu'on regarde dans un ECG fait pour une cardiopathie ischémique, une suspicion d'insuffisance coronaire? Essentiellement trois choses: les modifications du segment ST, que ce soit un sus ou un sous-décalage. Donc, le segment ST est dit normal quand il est isoélectrique. Et il va falloir vérifier dérivation par dérivation, surtout le point J. Alors, le point J, c'est quoi? C'est la jonction entre le QRS et le segment ST. Et là, je remarque que sur mon électrocardiogramme, eh bien, tous les points J sont isoélectriques et donc il n'y a pas de sous, de sus, décalage. On s'intéresse également à l'onde de T. Hein, un aplatissement ou une inversion de l'onde T qui pourrait aussi être un signe d'ischémie. Alors, l'onde de T est normalement positive. Elle a le droit d'être négative si le QRS est négatif. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'onde T doit finalement suivre le QRS. Donc là, sur mon électrocardiogramme, je remarque que toutes les ondes de T sont positives. Alors, sauf en AVR, mais là, c'est normal parce que le QRS négative, et même en V1, c'est normal parce que aussi le QRS est négatif. Donc cette ECG est pas de trouble de la repolarisation, ni du segment ST, ni de l'angle. Et bien, troisième élément à rechercher dans l'ECG de cardiopathie ischémique, c'est les fameuses ondes Q de nécrose. Voilà, ce qui représente quoi? Finalement, des séquelles anciennes d'infarctus. Là aussi, il n'y a pas d'onde Q de nécrose. Donc cette ECG est tout à fait normale. C'est l'ECG qu'on retrouve le plus souvent dans l'angle d'effort. Et donc, je ne suis pas plus avancé que ça. Alors, ça, c'est important hein, de faire un ECG parce que ça me permet au moins d'éliminer des signes d'un syndrome coronarien aigu. Bien. Mais il faut que je dispose d'examens complémentaires pour pouvoir diagnostiquer cette ischémie. Et les examens complémentaires qu'on peut utiliser sont les suivants. Alors, on va juste prendre une petite pause pour pouvoir. Je vais juste prendre un petit verre d'eau virtuel, je vous rassure. T'es toujours là? Bien, repris. Image. Bien. Alors, de multiples examens complémentaires s'offrent à nous pour pouvoir un petit peu documenter cette ischémie et avoir des signes objectifs hein, de longueur d'effort stable. Alors, je vais les citer rapidement avant de les détailler un par un. Alors, on peut faire une épreuve d'effort. On peut aussi faire une échographie de stress ou une échographie d'effort. Je vous expliquerai ce que c'est.
scintigraphie myocardique, là aussi de stress ou d'effort. Et ben, un autre examen complémentaire nouveau, hein, le scanner coronaire qui paraît être intéressant. Dernier examen, ben, ça va être la coronarographie. C'est un petit peu l'examen le plus performant, mais qui a un caractère un peu invasif. Alors, commençons par la première exploration qui est l'épreuve d'effort. Alors, c'est le principe. Ah, j'ai toujours du mal à faire passer les diapos. C'est bon, c'est passé. Bien, l'épreuve d'effort, ben, c'est quoi? Le principe est très simple. Donc, rappelez-vous que l'ECG de repos est normal parce que finalement, on le fait au repos, parce que l'ischémie présente uniquement à l'effort. L'idée, c'est d'aller provoquer cette ischémie en faisant faire au patient un effort standardisé sur un tapis roulant et puis enregistrer en même temps l'électrocardiogramme pour pouvoir documenter l'ischémie. Alors, comment ça se passe? Le patient est mis sur un tapis roulant et on va lui faire subir un effort standardisé. Remarque qu'il est collé aux électrodes de CG, le médecin les a sur l'écran, et puis on va lui faire pratiquer un effort. Et dès qu'il commence à faire mal, on va reproduire les symptômes qu'il ressent chez lui quand il fait un effort, mais au cabinet médical. Et quand il commence à avoir mal, on va enregistrer l'électrocardiogramme pour pouvoir documenter électriquement cette ischémie. Alors bien sûr, il faut que ça soit fait dans un environnement médical avec une surveillance étroite, que ça soit sans danger. Et donc, on doit avoir absolument un défibrillateur au cas où le patient fait un trouble du rythme. On doit surveiller en permanence les constantes vitales, notamment la tension artérielle. Et puis, quand le patient a mal, je vais enregistrer CG. Qu'est-ce que je vais avoir comme signe? Alors, remarquez ici sur la partie gauche, la colonne gauche, eh bien, à l'ECG, le segment ST est normal, l'ECG est normal au repos. À l'effort, le patient va commencer à avoir mal, il va y avoir de l'ischémie. Et puis là, il va y avoir un sous-décalage du segment ST. C'est le signe électrique principal qu'on a à l'épreuve d'effort. Sous-décalage du segment ST à l'effort, témoin électrique de cette ischémie. Sous-décalage qui va par la suite disparaître en récupération. Donc, c'est un sous-décalage qui apparaît exclusivement à l'effort quand il y a l'ischémie. Disparaissant en récupération, là, quand l'ischémie disparaît. Contrairement à ST+, ou ST- excusez-moi, où le sous-décalage, ne confondez pas, apparaît au repos. Ce n'est pas pareil. Et donc, grâce à ça, ben, je dis que l'épreuve d'effort est positive, électriquement, parce que j'ai eu des signes électriques d'ischémie. Et puis, si le patient a eu mal pendant ce sous-décalage, ben, je vais dire aussi que l'épreuve d'effort est positive cliniquement. Une épreuve d'effort positive cliniquement, électriquement, confirme un petit peu le diagnostic de longueur d'effort stable. Bien. Alors, sauf que l'épreuve d'effort est un examen de moins en moins pratiqué. Il a des avantages quand même, c'est qu'il est peu coûteux de réalisation routinière, réalisation facile. Mais le fait est que sa sensibilité et sa spécificité ne sont pas optimales. Il manque de sensibilité, il manque de spécificité. Ça veut dire quoi, sensibilité et spécificité? Ça veut dire que je peux avoir de faux positifs, je peux avoir un sous-décalage qui n'est pas lié à l'ischémie, ça va porter le diagnostic d'ischémie à tort, ou je peux avoir de faux négatifs, ce qui est encore plus grave. C'est-à-dire que l'épreuve d'effort revient normale alors que le patient a de l'ischémie. Donc, avantage et inconvénient, on va dire que avantage, accessibilité facile, disponible, peu cher, facilement réalisable, non invasif. Désavantage, une faible sensibilité, une faible spécificité avec risque de faux positifs et risque de faux négatifs. Bien, deuxième examen complémentaire, ça va être l'échographie d'effort ou l'échographie de stress. Bien, alors si je fais une échographie normale à un patient, d'ailleurs je dois le faire hein, comme complément de l'examen clinique. Si je fais une échographie à un patient qui a une longueur d'effort stable, et bien ce patient va avoir toutes les chances d'avoir une écho normale. Pardon. Avec une cinétique qui va rester normale, les parois myocardiques bougent normalement, tout simplement parce qu'au repos, il n'y a pas d'ischémie.
Là aussi, l'idée, c'est de provoquer l'ischémie en faisant faire un effort au patient et puis la documenter non pas par le CG, mais par l'échographie. Et je dois mettre quoi en évidence finalement? Une baisse de la contractilité des zones myocardiques victimes d'ischémie. Et je vais comparer finalement les images que j'ai enregistrées au repos et les images que j'ai enregistrées à l'effort. Bien. Et donc, l'idée pareille, provoquer d'abord l'ischémie par le stress ou l'effort, la documenter cette fois-ci, mais grâce à l'échographie. Bien. Alors, on l'appelle l'échographie d'effort ou l'échographie de stress. Alors, pour le stress, parce qu'au lieu de faire un effort, je peux injecter par exemple de la dobutamine, qui est un sympathico-mimétique qui va agir comme un stimulateur sympathique et qui va lui-même, sans que le patient ait besoin de faire d'efforts, augmenter la force de contraction et la fréquence cardiaque et entraîner le stress, provoquer l'ischémie. Alors, comment ça se passe, l'échographie de stress? Eh bien, j'enregistre l'échographie. Là, vous voyez que la première incidence, tu as l'image sur fond. Très bien. Donc, vous voyez que la contractilité de toutes les parois est normale. Hein, ben, tu réussis à voir? Tu réussis à déterminer si c'est normal ou pas? Ok. Parfait, très bien. Donc, sur la première image, vous voyez qu'elle a été enregistrée au repos et que la contractilité est normale. Bien. Après avoir donné de fortes doses de dobutamine, dobutamine qui remplace l'effort un petit peu, donc je peux la coupler à l'effort ou à la dobutamine. Bien, remarquez que ben, les parois bougent, remarquez l'image au-dessous, la paroi bouge moins bien, surtout cette partie-là. Pourquoi cette partie bougerait bien au repos, moins bien à l'effort? Tout simplement parce qu'elle reçoit moins de sang à l'effort, nécessaire à sa contractilité, et donc finalement, cette paroi est victime d'ischémie. Et donc là, j'ai pu documenter de l'ischémie à l'effort, non pas par l'électrocardiogramme, mais par l'échographie de stress. Alors, cet examen est plus performant que l'épreuve d'effort. Donc, il est d'utilisation de plus en plus routinière. Il permet également d'offrir deux informations supplémentaires. Alors, deux informations supplémentaires qui seront extrêmement utiles. Alors, la première, ça va être quoi? Ça va être le territoire de l'ischémie. Alors, l'épreuve d'effort va vous répondre positif, il y a de l'ischémie, négatif, il n'y a pas d'ischémie, c'est tout. Alors, c'est une réponse un petit peu binaire. Elle ne va pas vous préciser le territoire de l'ischémie. Vous ne savez pas si c'est l'apex du ventricule gauche qui souffre, ou si c'est la paroi latérale ou la paroi inférieure. Alors que l'échographie permet de préciser ça. Elle permet de préciser le territoire de l'ischémie. Pourquoi c'est important? Parce que si j'ai envie ensuite de revasculariser, c'est-à-dire de reperméabiliser cette sténose, ça va m'aider à déterminer l'artère coupable. Alors, dans cet exemple, ben, c'est la paroi antérieure du ventricule gauche qui ne bouge pas au stress. Et donc, l'ischémie concerne la partie antérieure du ventricule gauche. Quelle est pour vous l'artère coupable dans ce cas-là? C'est l'interventriculaire antérieure. Ben pourquoi? Parce que c'est celle qui vascularise la partie antérieure du VG. Donc, grâce à cela, grâce au fait que je puisse déterminer la zone qui ne bouge pas, donc la zone qui souffre, je peux conclure l'artère coupable. Bien. Alors, deuxième information importante fournie par l'échographie de stress, ça va être quoi? L'étendue de l'ischémie. C'est-à-dire, oui, il y a une paroi qui ne bouge pas bien à l'effort. C'est de l'ischémie, c'est clair. Mais est-ce que cette paroi est limitée? Est-ce qu'elle est étendue? L'étendue de la paroi qui ne bouge pas est le reflet de l'étendue de l'ischémie. L'étendue de l'ischémie qui peut avoir une valeur pronostique. Donc, non seulement l'écho de stress va confirmer au FMI diagnostic, mais si elle vous confirme, elle va vous donner deux informations supplémentaires qui sont quoi? La partie du territoire touché par l'ischémie et l'étendue de l'ischémie. Et donc, c'est un examen beaucoup plus intéressant que l'épreuve d'effort. Troisième examen complémentaire, c'est quoi? Scintigraphie myocardique. Ah, c'est quoi le principe de la scintigraphie myocardique? Ben, c'est très simple. On va injecter un radioisotope, donc un élément radioactif, exactement, un élément radioactif qui va être capté
pas le myocarde. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise généralement du thallium radioactif. Le thallium, c'est un élément qui est sur le même colonne du tableau périodique que le potassium. Et donc, il a une composante un petit peu électronique semblable à celui du potassium, si bien que le myocarde va les confondre. Donc, le myocarde va fixer ce thallium en croyant que c'est du potassium. Alors, pourquoi? Parce que le myocarde raffole le potassium. Il lui est nécessaire pour ces échanges ioniques. Et donc, le thallium radioactif est particulièrement bien fixé par le myocarde. Bien. Alors, comment vais-je réaliser l'examen? C'est très simple. Je vais d'abord provoquer, je vais injecter au repos, déjà. Je vais provoquer par la suite un effort au patient pour créer l'ischémie, n'est-ce pas, ou injecter de la dobutamine, équivalent d'effort, et je vais réinjecter le thallium à l'effort. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre une gamma caméra. Alors, la gamma caméra, c'est le détecteur de radioactivité, et je vais détecter toute la radioactivité émise par le myocarde. Il me suffit par la suite de comparer les images de repos aux images à l'effort. Ben, ces deux photos comparent justement l'effort au repos. Remarquez une chose, ce qu'indiquent les petites fléchettes blanches. Là, au repos, la fixation du thallium a été pratiquement bonne, uniforme, alors qu'à l'effort, c'est à gauche de l'écran, il y a des zones qui ne fixent pas. Alors, si cette zone n'a pas fixé le thallium, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu. Si elle n'a pas reçu le thallium, c'est-à-dire que le sang qui était censé le véhiculer n'est pas venu avec quantité. C'est-à-dire que cette paroi a probablement une sténose dans l'artère qui l'irrigue. Bien. Et donc, là aussi, à l'instar de l'échographie de stress, ça vous permet également de connaître le territoire touché par l'ischémie, élément important pour déterminer l'artère coupable, l'artère responsable de l'ischémie. Et puis, deuxième élément qui peut avoir une valeur pronostique, ça va être quoi? L'étendue de l'ischémie. Bien. Quatrième, scanner coronaire. Alors, scanner coronaire, c'est un examen en train de progresser. C'est un examen qui est très intéressant. Alors, pourquoi? Parce qu'il permet de visualiser les artères coronaires sans pour autant être invasif. On n'est pas obligé d'aller prendre du sang comme pour la courroux. Enfin, on peut voir, on injecte un produit quand même radio-opaque, mais par voie juste veineuse. Le scanner coronaire peut nous avoir des images assez éloquentes. Vous le voyez ici, les artères coronaires. Donc là, ce n'est pas lié, ce n'est pas des examens fonctionnels. Il y a la docteuse d'ischémie, mais c'est des examens dits morphologiques. Je vais aller voir directement les artères coronaires pour savoir si elles sont sténosées ou pas. Voilà. Alors, c'est un examen qui paraît extrêmement séduisant sur papier, parce que, écoutez, ça permet de faire le diagnostic sur des signes directs. Je vais voir carrément les artères coronaires sans pour autant être invasif. Sauf que le scanner a plusieurs défauts. Alors, le premier, c'est qu'il ne permet pas de voir les lésions trop distales. Quand l'artère coronaire est assez grosse, proximale, ça va, on peut la voir. Mais dès qu'on part en distalité, le diamètre de l'artère se réduit. Et puis, là, la visualisation devient plus hasardeuse. Alors, deuxième inconvénient, c'est que si le patient a beaucoup de calcifications, ça crée des artefacts, ça peut créer de fausses lésions. Bien. Alors, donc, le scanner est relativement performant, mais il est plus performant, on va dire, pour diagnostic des coronaires entre guillemets saines. C'est-à-dire qu'il va être plus utile pour éliminer une maladie coronaire que pour la confirmer. Voilà. Son principal inconvénient est le suivant, c'est que si maintenant il y a une sténose coronaire, on doit quand même la confirmer par une coronarographie. Donc, on n'a rien fait finalement. Bien. Et donc, quelle est l'indication type du scanner? Quelle est son utilité? C'est quand finalement le diagnostic est peu probable, ce qui permet d'éliminer certainement une maladie coronaire sans pour autant aller vers la coronarographie. Voilà.
Le scanner coronaire, on le laisse généralement en ce moment, pas en ce moment, c'est-à-dire pour de faibles probabilités d'atteinte coronaire. Dernier examen, ben, ça va être la coronarographie. Et la coronarographie, c'est l'examen, c'est un petit peu le gold standard. Alors, c'est quoi le principe de la coronarographie? Je vais revenir sur l'image précédente. C'est un petit peu après, mais en plein écran. Je n'avais pas demandé. C'est d'aller opacifier spécifiquement l'artère coronaire grâce à une sonde. Alors, comment on va procéder finalement? Déjà, il faut qu'on ponctionne pour pouvoir introduire cette sonde, une artère, soit l'artère radiale, on passe par le bras, soit l'artère fémorale. Après avoir ponctionné l'artère, on fait monter une sonde jusqu'à l'artère coronaire, jusqu'à l'aorte ascendante. On va la mettre, on va cathétériser l'ostium des artères coronaires. La gauche d'abord, la droite par la suite. Une fois cathétérisé, on va injecter un produit, cette fois-ci radio-opaque. Ce n'est pas radioactif, mais radio-opaque, c'est-à-dire opaque pour RX. Et on va visualiser, filmer les artères coronaires qui deviendront, qui prendront le contraste, qui prendront ce produit de contraste, qui deviendront visibles. Vous voyez que ben, les images sont extrêmement, extrêmement éloquentes. Extrêmement simple à interpréter. Et même si vous n'êtes pas très expérimenté, vous avez remarqué qu'il y a ici un rétrécissement de l'artère coronaire interventriculaire antérieure. Bien. Et donc, c'est l'examen de référence parce qu'il permet une très bonne visualisation de l'ensemble, de la totalité du lit artériel coronaire, sans artefact. Son principal inconvénient, c'est que c'est un examen invasif, exactement. Alors, c'est un examen invasif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un certain nombre de complications, complications iatrogènes. Examen invasif parce que je dois ponctionner l'artère, donc je peux créer un hématome, je dois monter dans les artères, je peux les disséquer. Alors, ma sonde peut thromboser parce que c'est un corps étranger, ça peut emboliser, entraîner des AVC. Et donc, il y a un certain nombre de complications, bien qu'actuellement, ben, ce taux de complication est extrêmement, extrêmement faible. Ça reste quand même un examen invasif. Bien. Alors, quel est le choix alors? Quel est l'examen le mieux pour vous? Ben, il n'y a pas de recommandation particulière dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on va, ben, selon le patient, selon la disponibilité des examens, choisir ben, au cas par cas. Généralement, par contre, on a tendance à de moins en moins utiliser l'épreuve d'effort à cause de sa faible sensibilité, sa faible spécificité. On a tendance actuellement à privilégier l'échographie de stress et la scintigraphie, c'est-à-dire des examens non-invasifs, laisser la coronarographie par la suite si ces examens montrent de l'ischémie. C'est-à-dire, commencer par l'examen non-invasif, si c'est positif, confirmé par la coronarographie. Donc, la coronarographie n'est pas utilisée d'emblée dans la plupart des cas, sauf cas particulier ou si la symptomatologie est très sévère. Voilà. Ça, c'est des cas d'exception. Le scanner coronaire, par contre, est utilisé quand il y a une faible probabilité clinique, ce qui permet d'éliminer le diagnostic d'une manière assez sûre, sans qu'il y ait risque pour le patient. Bien. Alors, une pause ou on continue? On continue? Oui, très bien. Alors, si on continue, on va passer au traitement. Bien. Le traitement va avoir plusieurs volets, trois volets précisément. Le premier, ça va être le traitement de la crise angineuse, le traitement de la douleur, la crise. Hein. Bien. C'est-à-dire, c'est un traitement anti-ischémique qui a pour but de soulager immédiatement la crise d'angor. Et ce traitement va faire appel principalement aux dérivés nitrés. Alors, rappelez-vous, les dérivés nitrés sont tellement efficaces qu'on les utilise comme test diagnostique. Pourquoi? Parce que ça permet de soulager très rapidement la crise angineuse à l'effort. Et donc, ils vont être utilisés également comme traitement symptomatique de la crise. Alors, utiliser des dérivés d'accent rapide par voie sublinguale, sous la langue, soit des comprimés, soit mieux des sprays. Voilà. Et donc, ce spray-là, cette trinitrine d'accent rapide, doit être porté tout le temps par le patient. Il doit l'avoir sur lui tout le temps. Eh bien, alors, il faut l'éduquer en ce sens. Et à chaque fois qu'il commence à avoir mal parce qu'il a fait un effort,
Il se repose, il met une ou deux bouchées sous la langue de trinitrine, ce qui permet de soigner, de soulager très rapidement la douleur. Bien. Alors, est-ce que les efforts sont contre-indiqués pour quelqu'un qui a une angine de poitrine stable, encore d'efforts stables? Non, ben les efforts ne sont pas contre-indiqués à condition de respecter le seuil douloureux. C'est-à-dire, tant que l'effort ne provoque pas de la douleur, le patient peut le faire. Au contraire, c'est conseillé pour qu'il n'y ait pas une désadaptation. Il ne faut pas faire un effort malgré la douleur. Il ne faut pas que le patient essaie de vaincre sa douleur. Donc là, il va y avoir toute une éducation du patient sur ce plan. Élément important aussi dans l'éducation du patient, c'est lui expliquer que si la douleur change de caractéristique, si par exemple elle devient plus intense, si surtout elle apparaît au repos, là il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il consulte en urgence. Pourquoi il faut qu'il consulte en urgence? Ce n'est pas un endroit d'effort stable, ce n'est plus le cas, ça devient quoi? Une suspicion d'un syndrome coronarien aigu. Rappelez-vous, c'est un patient qui a de l'athérome, qui a une sténose athéromateuse et qui est susceptible d'avoir des plaques d'athérome plus jeunes, vulnérables, qui peuvent se rompre et entraîner des syndromes coronariens aigus. Bien. Très bien. Deuxième volet, ça va être le traitement antischémique de fond, qu'on va détailler tout de suite. Et puis le troisième volet, ça va être le traitement aussi de prévention primaire ou secondaire. Secondaire, puisque le patient a déjà une manifestation clinique d'athérosclérose. Bien. Alors, le traitement antischémique de fond fait appel à deux armes thérapeutiques. Hein. Ben, soit le traitement médical, soit la revascularisation, surtout par angioplastie coronaire. Bien. Alors, on va détailler le premier, puis on parlera de l'angioplastie coronaire. Le traitement médical peut faire appel à plusieurs molécules. Alors, celles qui sont prescrites en première intention sont les bêta-bloquants ou les inhibiteurs calciques bradycardisants. Et ces traitements sont particulièrement efficaces dans l'encore d'effort stable. Alors, pourquoi cela? Parce que ça agit exactement sur la physiopathe de l'ischémie. Alors, les bêta-bloquants vont avoir quoi comme propriété? Premièrement, ils vont être chronotropes négatifs, baisser la fréquence cardiaque, rallongement des diastoles, bénéfique à l'irrigation coronaire. Ils vont aussi diminuer la force de contraction myocardique, donc diminuer les besoins en oxygène. Ils vont baisser la fréquence cardiaque et la force de contraction, notamment à l'effort. Et donc, ils vont faire quoi finalement? Ils vont empêcher que le cœur s'emballe à l'effort en réduisant l'augmentation de la fréquence cardiaque et la force de contraction myocardique. Donc, ils vont agir sur le mécanisme physiopathologique principal de l'encore d'effort stable qui est quoi? L'augmentation des besoins à l'effort. Bien. Et donc, c'est des médicaments qui seront très efficaces hein, et qui vont, qu'on va donner comme traitement de fond de l'ischémie. Traitement de fond, pas de la crise, mais traitement de fond, c'est pour prévenir les crises angineuses. Le traitement de la crise fera appel par la suite aux dérivés nitrés d'action rapide. Voilà. Si il y a une contre-indication intolérance au bêta-bloquant, on peut utiliser des inhibiteurs calciques. On utilise les inhibiteurs calciques, surtout bradycardisants, type verapamil ou tiltiazem. Ben pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un petit peu les mêmes caractéristiques des bêta-bloquants ou les mêmes effets. Ils vont faire baisser la fréquence cardiaque et faire baisser également la force de contraction myocardique. Bien. Donc, bêta-bloquant ou inhibiteur calcique comme traitement de première ligne. Alors, si le patient reste symptomatique, malgré un traitement bêta-bloquant, par exemple, optimisé, on passe à la deuxième ligne, on peut prescrire en association les dérivés nitrés. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas des dérivés nitrés d'action rapide, mais d'action prolongée comme traitement de fond. Bien. Alors, ceux-ci vont faire quoi? Entraîner une vasodilatation. C'est des vasodilatateurs veineux, hein, on est bien d'accord, mais qui ont quand même une action vasodilatatrice sur les artères coronaires. Et donc, cette vasodilatation va entraîner quoi? Augmentation des apports. Bien. Donc, puisque le mécanisme n'est pas le même des bêta-bloquants, réduction des besoins des bêta-bloquants, augmentation des apports pour les dérivés nitrés, et bien, ces deux thérapeutiques peuvent être associées et on peut avoir un effet synergique.
D'autres médicaments peuvent être utilisés en troisième ligne, toujours associés aux deux précédents, mais bon, on ne va pas tous les détailler. Donc ça, c'est un petit peu le traitement médical antiischémique de fond. Deuxième possibilité comme traitement médical ischémique de fond, eh ben, c'est de finalement ben, revasculariser l'artère coronaire. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est supprimé, entre guillemets, cette sténose athéromateuse source de problème. Alors, comment je peux le faire? Je peux le faire surtout, en fait, surtout par une angioplastie coronaire. C'est quoi le principe de l'angioplastie coronaire? Ben, ça se fait par cathétérisme interventionnel. C'est comme une coronarographie. Je place une sonde au niveau de l'ostium de l'artère coronaire. Mais là, ce n'est pas juste pour aller voir, ce n'est pas juste pour injecter un produit de contraste, mais pour aller dilater cette artère et placer un stent. Comment on procède? La première des choses, c'est de placer un guide. Ah, pardon, je n'ai pas pu faire pause. Voilà, placer un guide. C'est-à-dire, à travers ma sonde, je vais introduire un guide. Un guide, c'est comme un petit fil métallique comme ça, extrêmement souple, pas agressif du tout. Avec ce guide-là, je vais l'introduire au niveau de l'artère coronaire et puis je vais franchir la lésion et le placer en distalité de la sténose, en distalité de l'artère coronaire. Alors, ce guide va servir à quoi? Il va servir de rail, à quoi? À un ballon qui est une longue gaine, muni d'un ballon dégonflé, que je vais monter sur le guide qui va lui servir de rail et que je vais positionner précisément au niveau de la lésion coronaire. Excusez-moi, la vidéo s'emballe. Nous pouvons l'arrêter. Bien. Alors, généralement, ce ballon est muni d'un stent que vous voyez ici. On gonfle le ballon, ce qui permet d'écraser l'athérome. On retire par la suite, on dégonfle le ballon, on le retire, on retire le guide, et là, le flux est rétabli. Alors, ben, le mieux, c'est qu'on voit une véritable angioplastie. Tu as l'image sur ton truc? Oui, c'est bon? Très bien. Là, c'est un peu décalé. C'est un peu décalé. OK. Donc, je vais attendre. Alors. Montre-moi quand tu as l'image de. Ben, ouais, parfait, très bien. Je vais continuer sur. Très bien. Alors, comment vais-je faire cette angioplastie? Alors, j'ai mis ma sonde de Corot au niveau de l'ostium de la coronaire. J'ai injecté et je remarque que cette lésion est serrée. Celle-ci est probablement responsable de longueur d'effort stable. Bien. Alors, la première étape, c'est de placer le guide. Alors, vous voyez que le guide, je l'ai acheminé à travers la sonde, vous voyez ici, et le guide a pu franchir la lésion et je l'ai mis en distalité de l'artère coronaire. Bien. Alors, sur ce guide, ben, je vais faire quoi? Je vais monter un ballon. Voilà. Et sur le ballon, il y a un stent qui est plié. Alors, pourquoi je mets un stent finalement? Le ballon sert à dilater la sténose et le stent sert de charpente pour éviter que la sténose revienne. Voilà. Donc, il va faire quoi? Il va améliorer le résultat et éviter ce qu'on appelle la re-sténose. Donc, je vais positionner mon ballon, je vais injecter le produit pour savoir que je suis vraiment bien positionné. Là, je pense qu'on est bon. Et si je suis bien positionné, si mon ballon est bien sur la lésion, eh bien, je vais faire quoi finalement? Je vais le gonfler. Voilà. Vous voyez que le ballon a été gonflé, ce qui permet d'écraser la lésion interromptueuse. Le stent va se déployer. Il suffit par la suite de dégonfler le ballon et l'enlever, et puis enlever le guide, et le stent restera sur place. Bien. Là, on est en train de gonfler le ballon. Dernière image. Voilà. Là, remarquez que l'artère coronaire est maintenant complètement perméable. Voilà. Vous voyez que le résultat est très bon et là on remarque même plus ben, la zone de la lésion et ben, comme ça on réussira à soulager le patient. Bien. Et donc angioplastie coronaire ben, permet d'agir directement sur la sténose. Ça permet de faire quoi finalement? Revasculariser cette artère coronaire sténosée. Et donc ben, j'ai finalement deux options thérapeutiques qui s'offrent à moi.
soit le traitement médical, soit l'angioplastie coronaire. Alors, que choisir finalement? Quel va être le plus efficace? Il faut savoir que l'angioplastie coronaire, c'est un concept qui paraît comme ça séduisant. Écoutez, j'agis directement sur le mal en le supprimant. Il faut savoir que ça peut être aussi un peu invasif. Voilà, parce que j'ai une sonde, un ballon, tout ça, je peux disséquer la coronaire, je peux entrer des tromburies, thromboses, etc. Donc, ce n'est pas non plus dénoué de risque. Ouais. Alors, quelle est la préférence? Quel traitement vais-je choisir, à votre avis? Ça dépend. Bien. Ah ben, on ne pourra pas savoir, on ne pourra jamais savoir, sauf si, mais on fait quoi? On compare ces deux traitements. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais les essayer tous les deux chez des groupes de patients pour déterminer quel est le traitement qui va être le plus efficace et que je vais pouvoir un peu proposer en première position. C'est exactement ce qu'on a fait. On a élaboré beaucoup d'études pour comparer chez le coronarien instable le traitement médical versus quoi? Angioplastie coronaire. Alors ça, c'est le meilleur moyen un petit peu de savoir si médicament est efficace, n'est-ce pas? Bien, bien que Didier Raoult n'est pas n'est pas d'accord. Bien. Alors, quels étaient les résultats de ces études cliniques comparant le traitement médical et l'angioplastie coronaire dans l'angle d'effort stable? Eh bien, deux éléments ressortent de ces études. La première, c'est qu'il n'y a pas de différence de mortalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on traite médicament en angle d'effort stable ou qu'on traite par angioplastie primaire, les patients vont avoir strictement la même mortalité. Donc, est-ce que j'améliore considérablement le pronostic avec l'angioplastie coronaire? Non. L'angioplastie coronaire ne fait pas mieux le traitement médical, mais en termes de survie, en termes de mortalité. Bien. Deuxième information importante. Eh bien, les patients qui ont eu une angioplastie coronaire ont beaucoup moins, ont moins de symptômes que les patients qui reçoivent du traitement médical. Et donc, je conclue à quoi? L'angioplastie coronaire dans l'angle d'effort stable n'est pas plus efficace que le traitement médical pour la mortalité, mais elle est plus efficace pour réduire, maîtriser, supprimer l'angor des symptômes. Et donc, à votre avis, quel traitement je vais choisir? Eh bien, écoutez, si les deux sont équivalents en matière de mortalité, je vais choisir le plus simple. Donc, je vais opter pour le traitement médical. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Parce que le résultat sur la mortalité est le même. Bien. Alors, l'angioplastie coronaire, je vais la laisser à qui finalement? Au cas, au patient qui reste symptomatique malgré le traitement médical, exactement dans 6 échecs de suivi. Donc, schématiquement, on va répondre à cette question très simplement. D'abord, le traitement médical. Si le patient reste symptomatique dans l'échec, je procède à l'angioplastie coronaire. Okay. Il y a des cas particuliers où l'ischémie est extrêmement sévère, où là, je dois aller d'emblée vers une revascularisation par l'angioplastie coronaire. Bien, troisième volet, ça va être le volet de la prévention secondaire, c'est le dernier. Alors, dans ce cas-là, je vais prescrire un certain nombre de médicaments. Le plus important, ça va être les statines. Les statines, c'est des hypolipémiants, c'est des médicaments qui réduisent le cholestérol, surtout le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Et ces médicaments agissent en inhibant la synthèse hépatique. C'est des médicaments efficaces pour ça. Et réduire le cholestérol permet un petit peu de, en théorie, diminuer la progression de l'athérosclérose et diminuer la progression de l'athérosclérose, finalement, ça permet de faire quoi? Diminuer les événements cardiovasculaires. Et donc, donner une statine à un patient qui a une maladie coronaire permet de diminuer le risque de récidive, le risque de création d'autres plaques et le risque de développer des syndromes coronariens aigus. Alors, quelle dose de statine vais-je donner? Eh bien, je vais adapter ma dose au taux de cholestérol du patient en ayant comme objectif un LDL inférieur à 0,7 g par litre. C'est-à-dire que je vais commencer par une dose
je suis contre le LDL. S'il a 1 gramme, par exemple, j'augmente encore la dose jusqu'à obtenir une dose suffisamment importante pour diminuer le LDL à moins de 0,7. Alors, d'autres médicaments peuvent être prescrits en prévention secondaire, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou l'aspirine, mais ils ne sont plus prescrits d'une manière systématique, donc on les donne pas chez tout le monde, mais selon les comorbidités du patient. Est-ce que le patient a fait déjà un infarctus, un AVC, est-ce qu'il est diabétique, etc. Donc, sachez que ces médicaments ne sont pas efficaces pour simplifier, enfin, ne sont pas systématiques, excusez-moi. Le médicament qu'on donne systématiquement, ça va être les statines. Alors, dernier volet, très important, souvent négligé, ben, ça va être quoi? La lutte contre les facteurs de risque. Alors, le principal, celui qu'il va falloir absolument supprimer, essayer de supprimer, parce que ce n'est pas du tout évident, ben, c'est le tabac. Tabagerie du tabac, on va absolument réussir à motiver le patient grâce à des consultations anti-tabac, à des médicaments de substitution, n'est-ce pas? Et c'est le facteur de risque modifiable par excellence sur lequel on doit absolument agir sans oublier les autres. Je vais les citer, ben, diabète, équilibrer le diabète, équilibrer son hypertension artérielle, favoriser le sport, l'activité physique, hein, à faire de la réadaptation cardiaque pour lutter contre l'obésité et le régime hypo-hypoglycémiant. Bien. Alors, je finis avec cette deuxième forme. Alors, je reviens sur une planche. J'espère que ça a été clair pour l'endroit des forces stables. Alors là, vous allez avoir des vertiges. Et je voulais revenir sur ça. Bien, donc, on a parlé des cinq coronariens chroniques. C'est ce qu'on vient de faire, n'est-ce pas? Faut suivre. Et puis, on avait dit que les cinq coronariens chroniques sont essentiellement représentés par quoi? Par l'engorgement des forces stables chroniques. N'est-ce pas? C'est la forme clinique la plus fréquente de ce syndrome coronarien chronique. Par contre, il peut y avoir d'autres formes, ce n'est pas la seule. Hein? Et la deuxième forme possible, ça va être quoi? La cardiomyopathie ischémique. C'est quoi une cardiopathie ischémique? Alors, je vais revenir sur la fin. Voilà, j'étais là. C'est quoi la cardiomyopathie ischémique? Bien. Alors, des fois, les lésions athéromateuses ischémiques, même chroniques, ben, sont extrêmement, extrêmement sévères. C'est-à-dire que vous avez plusieurs sténoses serrées, touchant plusieurs troncs artériels. Alors, comme c'est illustré dans cette coronarographie, avec cette coronarographie de ce patient, hein, son réseau coronarien extrêmement atteint, avec de multiples lésions, n'est-ce pas, hein, sur la coronaire droite, la coronaire gauche. Et donc, ben, ça va créer quoi? Ça va créer une cardiopathie ischémique sévère. Bien. Alors, ceci va entraîner quoi? Finalement, une réduction un petit peu du débit coronaire, mais d'une manière diffuse, exactement. Chercher d'une manière diffuse et d'une manière sévère. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le myocarde va recevoir de moins en moins de sang. Et s'il reçoit de moins en moins de sang, à votre avis, il va faire quoi? De moins en moins, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas assez de sang et à la fois pour assurer ses fonctions métaboliques de base, ses fonctions de survie, et pour assurer sa fonction contractile. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Un choix, il va hiberner. Il va rentrer en hibernation. Et donc, des cellules de plus en plus vont rentrer en hibernation, ils vont plus contracter. Ben pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez d'oxygène pour à la fois survivre et se contracter. Ils vont sacrifier leur fonction contractile au profit de leur survie, de leur fonction de base. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, plus de fibres vont hiberner, donc vont plus contracter. Eh bien, la fonction du ventricule gauche systolique va diminuer. Le ventricule gauche va perdre de la fonction systolique. Il va moins éjecter, la fraction d'éjection va baisser. Si la fraction d'éjection baisse alors que le VG continue à se remplir, il va se dilater et le patient va se présenter
sous forme de quoi? D'une cardiomyopathie dilatée. C'est-à-dire quoi? Quand on fait une écho au patient, on trouve bizarrement un VG dilaté avec une baisse de la fonction systolique globale. Alors, vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait le diagnostic puisqu'il y a une longueur d'effort stable. Eh bien, sachez que des fois, on passe à côté. Alors, pourquoi on passe à côté? Parce que la douleur peut être absente. Il peut y avoir une ischémie dite silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a de l'ischémie coronaire, mais le patient ne la ressent pas. On s'est rendu compte que la douleur, finalement, n'était pas un bon paramètre pour détecter l'ischémie et qu'elle pouvait manquer de sensibilité. Alors ça, c'est particulièrement fréquent chez les patients diabétiques, chez les patients âgés, chez les femmes. Alors, les patients diabétiques, les femmes, les patients âgés sentent moins bien la douleur, sentent moins bien la douleur ischémique, si bien qu'ils peuvent développer de l'ischémie complètement silencieuse. Alors, qu'est-ce que j'entends par le terme silencieuse? C'est-à-dire qu'elle ne s'accompagne pas de douleur angineuse. Donc, le diagnostic n'est pas fait, les patients ne sont pas traitement, ne sont pas revascularisés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur myocarde, s'il est désencensé sédentaire, va rentrer en hibernation. Ils vont développer par la suite une cardiomyopathie dilatée d'origine ischémique, avec quoi? Dilatation du VG et baisse de sa fonction systolique. Alors, ces patients vont finalement finir par consulter. Ils vont consulter pour quels symptômes? Non pas de la douleur thoracique, mais quoi? De la dyspnée, exactement. Donc, ils vont consulter de la dyspnée ou consulter carrément dans un tableau d'insuffisance cardiaque. Ouais. Donc, on peut les recevoir comme ça parce qu'ils ont fait un OAP, parce qu'ils ont fait de la dyspnée, etc. Et quand on leur fait une écho, ben, on comprend un petit peu l'origine de cette dyspnée. L'origine de cette dyspnée, c'est quoi finalement? C'est une baisse de la fonction contractile globale. Bien. À ce stade, hein, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire juste qu'il y a une cardiomyopathie dilatée, c'est tout. Sauf que la cardiomyopathie dilatée n'est pas forcément d'origine ischémique. Elle peut être primitive, elle peut être secondaire à une hypertension. Bien. Comme elle peut être d'origine ischémique. Question, est-ce, ben, je vais traiter, c'est clair, je vais traiter CMD, le traitement de l'insuffisance cardiaque. Par la suite, est-ce que c'est important de connaître l'étiologie? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Je reçois un patient. Bien, conçu pourquoi? Pour une dyspnée. Je lui fais une écho, je trouve une cardiomyopathie dilatée avec baisse de la fonction systolique et j'ai l'explication de ma dyspnée. Je commence le traitement médical de l'insuffisance cardiaque. Question, est-il important d'aller savoir si c'est cette cardiomyopathie est d'origine ischémique ou autre? La réponse est oui, il est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça va changer? Ben, si c'est une cardiomyopathie primitive par la suite, ben, il n'y aura pas de traitement spécifique, il n'y aura pas de traitement étiologique. Et le traitement ne peut être que symptomatique et je ne pourrai jamais récupérer une fonction contractile correcte. Si maintenant cette origine de la cardiomyopathie est d'origine ischémique liée à des lésions coronaires sévères et entraîne une hibernation myocardique, ben là c'est paradoxalement une excellente nouvelle. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que ça permet de revasculariser, ça m'offre la possibilité de revasculariser les coronaires, et ben, le myocarde va sortir de son hibernation et récupérer la fonction contractile et le patient peut récupérer une bonne fonction VG ou du moins l'améliorer. Pourquoi? Parce que finalement l'hibernation est une quoi? Est une forme de viabilité. Donc, un myocarde qui ne se contracte pas ou peu, mais qui est toujours vivant et qui peut récupérer après revascularisation. Donc, quand je reçois ce genre de patient, eh bien, on est amené à faire quoi? Souvent, une coronarographie pour savoir si c'est d'origine ischémique ou autre. Si les coronaires sont saines, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Ben, paradoxalement, mauvaise nouvelle. Alors, pourquoi mauvaise nouvelle? Ben, ça veut dire que je n'ai pas de possibilité d'améliorer cette cardiopathie ischémique. Voilà, cette cardiopathie, parce qu'elle n'est pas ischémique, surtout si elle est primitive. Si par contre, j'ai des lésions coronaires sévères, ben, là, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle, parce que ça m'offre une
un autre choix thérapeutique en plus du traitement d'insuffisance cardiaque, revasculariser ces coronaires pour récupérer de la fonction léger. Alors, quand les lésions sont extrêmement étendues comme ça, ben, on ne peut pas mettre des stents, sinon il va falloir mettre 36 stents, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire finalement? Ben, on va faire un pontage orthocoronaire. Ouais. Alors, c'est quoi le principe? En fait, c'est quelque chose de chirurgical. Hein? Ce n'est plus les cardiologues qui le font, c'est les chirurgiens. C'est pour ça que c'est mal fait. Bon, je plaisante. Je plaisante. Il n'y a pas de chirurgien. C'est vrai. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? On va opérer le patient. On va lui ouvrir le thorax. Le chirurgien va le faire. Mais il va prélever une artère, par exemple l'artère mammaire, hein, qui est destinée au thorax. Il va la prélever chirurgicalement, l'enlever de sa destination et la coller chirurgicalement, c'est pas l'anastomoser, on va dire, à l'artère coronaire. Si vous avez une lésion à ce niveau, ben, qu'est-ce qui se passe? Le sang finalement ne va pas arriver par la lésion, mais il va contourner, court-circuiter, d'ailleurs on l'appelle bypass, on va court-circuiter cette lésion et la coronaire va être alimentée directement par l'artère mammaire. Ça, c'est une autre méthode de revascularisation, revascularisation chirurgicale par un pontage aorto-coronaire. Alors, les mammaires, on en a combien? Deux. Ouais, mais des fois, on a besoin de faire un triple pontage. On peut utiliser la mammaire droite et la mammaire gauche. Mais pour avoir un troisième pont, ben, je n'ai plus de mammaire, j'utilise quoi? Ben, je vais utiliser des greffons. Soit j'ai enlevé l'artère radiale du patient, je vais la couper carrément. Le patient, le chirurgien va inciser l'avant-bras du patient, prélever son artère radiale, l'anastomoser cette fois-ci d'une part à l'aorte et d'autre part à la coronaire en aval de la lésion. Ou bien, j'utilise un greffon veineux, hein, on utilise l'artère saphène qu'on prélève, on va également coller à l'artère coronaire et à l'aorte pour fabriquer un pont à partir de quoi? D'un greffon artériel radial, un greffon veineux, ça fait. Et ce pontage orthocoronaire va permettre une revascularisation qui fera espérer une récupération de la fonction contractile. Bien. Alors là, vous avez une image d'un contrôle coronarographique d'un pont. Alors là, regardez ce qu'on a injecté finalement. Je vais faire pause si je réussis. Très bien. Donc là, c'est la sous-clavière. Hein? Là, je suis en train d'indiquer la sous-clavière. Donc là, c'est l'artère. Sous-clavière. Donc là, j'injecte quoi finalement? Pas la coronaire, mais l'artère mammaire. Et le produit de contraste va partir où? L'artère mammaire, il va s'anastomoser à ben, l'IV1, ici. Et donc ça, c'est un contrôle de pont qui est fonctionnel, qui est perméable. Les chirurgiens font du bon travail, finalement. Et l'artère IV1 est vascularisée, reçoit le sang à travers la sous-clavière par l'intermédiaire de l'artère mammaire. Fin de la première partie. C'est bon. Bien. Alors, est-ce qu'on prend quelques questions? Est-ce qu'on peut leur activer les micros pour ceux qui veulent poser des questions? Donc là, je suis spectateur, il y a une seule main levée. Vas-y, je te laisse faire. Bien. Alors, on prendra les questions dans un petit moment. Restez connectés. Bien, alors, je vais répondre juste à quelques questions posées, la discussion. Donc, spectateur anonyme, eux, c'est est-ce que après la revascularisation, est-ce que j'ai activé la vidéo? Bon, il ne m'entend pas.
Est-ce qu'après la revascularisation à distance, la nécrose va disparaître et le myocarde récupérera sa fonction normale? Bien. Alors, monsieur Anonyme, la nécrose, malheureusement, ne disparaît pas. Ne disparaît pas, la nécrose est irréversible. Par contre, quand on revascularise, même à la phase aiguë de la synchronie aiguë, on n'a pas encore fait les synchronies aiguës, la nécrose n'est pas totale. Et on peut au moins récupérer les fibres qui sont en train de souffrir avant qu'elles se nécrosent. Maintenant, quand tu dis nécrose, ça veut dire que c'est une paroi qui ne bouge pas. Mais toute paroi qui ne bouge pas n'est pas forcément nécrose, ça peut être de la viabilité. Donc, pour répondre simplement à ta question, on va dire que la viabilité peut être récupérée après revascularisation, mais pas la nécrose. C'est pour ça qu'il faut revasculariser le plus rapidement possible, surtout dans les synchronies aiguës. Oui, alors une question intéressante. Docteur, est-ce qu'on peut avoir une douleur atypique de type épicastralgie seulement? Oui, effectivement, oui. Alors, je n'ai pas cité tous les cas de figure d'atypie, mais un engorgement peut être atypique par sa localisation, notamment par la localisation épigastrique, voire même abdominale. Donc, alors, celle-ci est liée à quoi finalement? Ben, écoutez, c'est souvent lié à la partie un peu inférieure du ventricule gauche, la souffrance de la partie inférieure. Alors, pourquoi? Parce que la partie inférieure repose un petit peu sur le diaphragme, elle est localisée un petit peu épigastrique. Hein. Imaginez le cœur, un cœur posé sur le diaphragme, sa partie inférieure est dans l'épigastre pratiquement. Et la souffrance de cette zone-là, de la zone inférieure, peut s'accompagner d'une douleur épigastrique, voire abdominale. D'ailleurs, même les autres localisations peuvent donner d'une manière moins fréquente des douleurs atypiques épigastriques, effectivement. La règle est toujours, toujours devant une douleur abdominale ou épigastrique chez un patient qui a des facteurs de risque coronaire, faire un ECG. Une autre question? Ah, très bien, ça c'est une bonne question. Alors ça, c'est des questions extrêmement techniques. Hein. C'est pas bien. Avant de réaliser ça, une revascularisation, il faut vérifier la viabilité des myocardes. Oui, alors en théorie, oui, bien sûr. S'il n'y a pas de myocarde viable, ça ne sert à rien de revasculariser. Exception faite un petit peu du patient tritranculaire. Alors, là aussi, c'est technique. Hein. C'est pas du niveau d'externe, mais bon, on va y répondre. Quand vous avez des lésions tritranculaires, les trois trans sont atteints, il y a forcément de la viabilité, parce que si tout est nécrosé, le cœur ne bat pas et le patient n'est pas vivant. Voilà. Donc, si les lésions sont, si tous les axes coronaires sont touchés, ben là, on doit revasculariser, on n'a pas besoin de viabilité. Sinon, dans le cas contraire, effectivement, on doit d'abord documenter la viabilité pour pouvoir revasculariser. Alors, une autre question. Oui, on ne peut pas leur céder la parole, Agda, pour qu'ils puissent. C'est une hypertension diastolique influence sur la personne coronaire, surtout si elle est mal équilibrée. Alors, comment une hypertension de type diastolique influence sur la perfusion coronaire? Ben non, une hypertension de type diastolique n'influence pas la perfusion coronaire. Ça n'entraîne pas d'ischémie. Une hypertension de type diastolique peut peut-être augmenter le travail du cœur, en augmentant juste la post-charge. Mais ça ne va pas compromettre la perfusion coronaire. Par contre, une hypotension diastolique, une baisse de la pression diastolique, peut, elle, au contraire, entraîner de l'ischémie et influencer la perfusion coronaire. Très bien. Donc, alors pour l'ECG, je n'ai pas compris le troisième point à vérifier, c'est cas de nécrose. Ces cas de nécrose, ce n'est pas lié à l'épisode actuel. Mais un patient qui a un engorgement d'effort stable peut avoir fait dans ses antécédents une nécrose myocardique, un infarctus. Il peut, par exemple, avoir fait un infarctus il y a 10 ans et se présenter aujourd'hui pour un engorgement d'effort stable. Le fait de voir des antécédents de nécrose me dit quoi, finalement, que ce patient est coronarien. Ce n'est pas forcément lié à l'épisode actuel de l'engorgement d'effort stable, mais ça précise un antécédent d'infarctus ou une séquelle électrique d'un infarctus ancien.
S'il vous plaît, vous pouvez répéter la notion d'un infarctus post. Un post peut donner une extension vers l'intérieur. D'accord, très bien. Je peux bien sûr, je peux la répéter. En fait, ce n'est pas ça du tout la notion en fait postérieure, hein, j'ai dit. Bien. Alors, j'ai dit, le fait est que l'artère coronaire droite, n'est-ce pas, vascularise à la fois le ventricule droit et la partie postérieure du ventricule gauche. Très bien. Et donc, ces deux territoires partagent la même artère. Si l'artère coronaire droite se bouche, qu'est-ce qui va se passer finalement? Je vais avoir à la fois un infarctus inférieur, parce qu'il est vascularisé par la coronaire droite, et un infarctus pendant, c'est-à-dire contemporain, du ventricule droit. Donc, l'artère se bouche et les deux territoires sont touchés. Cela m'explique une chose, un infarctus inférieur ou postérieur peut s'étendre au VD, s'associer à l'infarctus du VD parce que c'est la même artère, alors qu'un infarctus antérieur ne s'associe jamais à une extension du VD parce que finalement, ce n'est pas la même artère qui les irrigue. Bien, est-ce... Ah, c'est bien. Attends, je vais répondre à cette question. Ben, on a des participants extrêmement jeunes. Hein. C'est précoce. Alors, un sujet jeune peut faire de l'encore d'efforts. Si oui, par quel mécanisme, vu que l'athérosclérose est un facteur de vieillissement? Bien. Un sujet jeune peut effectivement faire de l'athérosclérose. Oui, je ne sais pas si vous êtes plus jeune, par exemple, 40 ans, mais 40 ans, c'est jeune. Ça, très. Merci. Alors, pourquoi? Alors, l'athérosclérose, effectivement, est liée au vieillissement. Déjà, là, c'est un facteur de risque. J'avais dit que les facteurs de risque accéléraient ce phénomène de vieillissement. Alors, si vous n'avez pas du tout de facteur de risque, hein, si vous êtes, par exemple, vous avez une très bonne hygiène de vie, vous n'êtes ni diabétique, ni hypertendu, vous ne mangez pas de gras, vous ne fumez pas, vous faites du sport, vous n'êtes pas sédentaire, vous n'êtes pas obèse, vous n'avez pas de facteur de risque, vous pouvez avoir de l'athérosclérose à un âge extrêmement avancé, par exemple à 80 ans. Maintenant, si vous êtes fumeur, sédentaire, hypertendu, diabétique, si vous cumulez tous les facteurs de risque, vous allez avoir les artères d'un vieux de 80 ans à 40 ans. Bien. Et donc, les facteurs de risque, entre guillemets, hein, voilà, facteurs de risque accélèrent, on dirait qu'ils accélèrent un phénomène de vieillissement des artères. Et on peut avoir des artères d'une personne très âgée à l'âge de 40 ans à cause de ces facteurs de risque. Alors, il y a aussi une deuxième entité qui peut donner un encore spastique, mais ça, on la sera pour la prochaine fois. Différence entre échographie de stress et échographie normale dans la maladie ischémique. Très bien. Alors, l'échographie normale, comme vous dites, c'est l'échographie de repos. Et son but, c'est de savoir s'il y a une baisse de la contractilité au repos. L'échographie de stress, c'est quoi? C'est d'abord provoquer l'ischémie, parce que c'est l'ischémie à l'effort, la documenter par la suite. Donc, alors, on peut leur donner la parole. Hein? Spectateur, j'imagine. Ah, voilà. Ah, très bien. C'est moi? Ah, là, je ne peux pas parce que pour moi, ils n'ont pas. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions, activez d'abord votre micro. On prend une question. Oui, si tu veux. Une autre question, une. Alors, pourriez-vous parler sur le nouveau concept de probabilité coronaire? Bien. Alors, là aussi, c'est technique. Hein, c'est pas, voilà. La probabilité coronaire, c'est quoi finalement? C'est d'essayer, selon les facteurs de risque, l'âge du patient, son sexe, déterminer les symptômes
Bien, donc, paramètres sont considérés. Essayez de déterminer, grâce à des tables de probabilité, eh bien, la probabilité finalement qu'il y ait des lésions coronaires. Alors, ceci va faciliter quoi? Ça va faciliter la prescription des examens complémentaires. Par exemple, si en utilisant cette table de probabilité, j'obtiens une probabilité extrêmement élevée, ben là, je ne vais pas perdre du temps et je vais aller directement vers la coronarographie. Donc ça, c'est un outil qui aide surtout à choisir ben, l'examen complémentaire à utiliser. Alors, je reviens dans 2 secondes. Je vais juste couper la vidéo. Dis-moi, je réponds. Alors, comment je reviens sur participants? Voilà. En discussion, je vais aller sur discussion. Conversation. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous nous répéter la relation entre hangar stable et cardiomyopathie dilatée ischémique? Bien. En fait, ce n'est pas une relation, mais c'est deux entités qui appartiennent au syndrome coronarien chronique. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le syndrome coronarien chronique, vous l'avez compris, se présente le plus souvent, la forme la plus fréquente est l'angor d'effort stable symptomatique. Voilà. Sauf que tout syndrome coronarien chronique n'est pas forcément l'angor d'effort stable, il peut y avoir d'autres formes, et parmi les autres formes, hein, il peut y avoir 5 ou 6 formes. Parmi les différentes formes, ben, il y a la cardiomyopathie dilatée d'origine ischémique. C'est-à-dire, c'est une autre manifestation complètement différente d'une insuffisance coronaire chronique, du syndrome coronarien chronique, non pas par une douleur d'effort stable, mais par surtout des signes d'insuffisance cardiaque liés à une cardiomyopathie dilatée. Alors, cette cardiomyopathie dilatée d'origine ischémique, il y a quoi finalement? Elle est liée au fait qu'il y ait des lésions coronariennes extrêmement sévères qui entraînent une hibernation myocardique avec baisse de la contractilité et qui peut, dans ce cas, le symptôme peut même manquer, il peut même y avoir pas de douleur, mais la douleur, la symptomatologie est remplacée uniquement par la dyspnée. Une question Facebook, si tu veux. Ah, très bien. Comment détecter, comment savoir si cette région est en hibernation et non pas ischémie? À l'écho. Ah, ouais, ça, c'est aussi à vous. Le niveau est très élevé. Hein? Alors, ça, c'est aussi un petit peu technique. Alors, l'hibernation myocardique peut être détectée par 2 examens, soit par la scintigraphie, ben, soit par l'échographie de stress. Alors, la scintigraphie, eh ben, ça nous donne quoi? Ça nous donne des zones qui sont akinétiques par la scintigraphie, mais à l'écho,
mais qui fixe quand même le radiotraceur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars du principe qu'une cellule myocardique vivante va fixer le thallium quand même. Parce que si c'est de la fibre or, elle va fixer le thallium. Donc, si j'ai une zone que j'ai documentée à l'écho comme étant akinétique, je vous ai dit qu'akinésie ne signifie pas forcément nécrose, et que cette même zone va me fixer le thallium à la scintigraphie, c'est-à-dire que quelque part, elle est vivante. Donc, elle est vivante, documentée par la scintigraphie. Elle ne bouge pas par rapport à l'écho. Eh bien, ça, c'est une hibernation. Deuxième cas de figure, je fais une écho. Et je trouve une zone complètement akinétique. Bien. Alors, je veux savoir si c'est une nécrose totale ou est-ce que c'est une hibernation. Alors, je vais faire toucher un petit peu la secouer, la stimuler. Donc, bien, j'ai fait de la dobutamine. La dobutamine, malgré, elle va un petit peu la réveiller, la faire sortir son hibernation. Donc, si une zone ne se contracte pas au repos, mais elle se contracte au stress, eh bien, ça, c'est de la viabilité, c'est de l'hibernation que j'ai pu secouer, forcer, un petit peu réveiller grâce au stress. Si, par contre, à l'écho de stress, une zone bouge au repos, c'est le contraire, mais ne bouge pas au stress, eh bien, ça, c'est lié à plutôt l'ischémie. Voilà. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça devient. As-tu d'autres questions? Bonjour. Oui. Donc, docteur, quels sont les éléments à surveiller après la réalisation d'une revascularisation myocardique? Très bien. Alors là, on parle toujours de l'endroit d'effort stable, n'est-ce pas? Oui. Pas du symphonie aigu, on est bien d'accord. Oui, d'accord. Très bien. Alors, quand je revascularise, je vais faire quoi finalement? Ben, tout simplement, je vais refaire une échographie au patient. Voilà. Y a-t-il d'autres éléments tels que le CG de l'effort? Non. Le CG d'effort, malheureusement, c'est un examen de moins en moins utilisé. Faible sensibilité, faible spécificité. Bien. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de choses plus compliquées. Alors, j'ai eu de la viabilité que j'ai revascularisée. Ben, j'attends quoi? J'attends une reprise de la fonction contractile. Alors, pour reprendre l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, la fameuse CMD avec des lésions coronaires sévères que j'ai vascularisée, comment vais-je apprécier les résultats? Je vais tout simplement lui refaire une écho 6 mois après. D'accord, merci. Je vais documenter quoi? Documenter la reprise de la fonction contractile. Si le VG reprend, c'est qu'il était en hibernation. Eh bien, si le VG ne reprend pas, c'est que c'était nécrosé. J'ai agi trop tard. D'accord. C'est bon? Ça répond à votre question ou pas? Oui. Oui. Très bien, ça répond à deux questions. Une autre question? Kamal. Elle n'a pas d'indication sur l'infarctus. Oui, laquelle. Non, je n'ai pas parlé d'infarctus pour le moment. Hein. La thrombolyse. Ah ben, si, bien sûr que si. La thrombolyse garde une indication dans l'infarctus, dans ST+. Mais bon, ce n'est pas la seule solution actuelle. Il y a deux solutions. La thrombolyse, soit l'angioplastie primaire. Encore une fois, je n'ai pas encore abordé ce thème. Hein. Oui. Tu viendras la prochaine fois. Inch'Allah. Bien, bonjour docteur. Est-ce qu'un sous-décalage du segment ST est un signe exclusif de l'occurrence d'un syndrome aigu? Est-ce que un sous-décalage du segment ST est un signe exclusif d'un syndrome aigu? Malheureusement, non. Tout sous-décalage du segment ST ne signifie pas syndrome aigu ST+. Je peux avoir un sous-décalage lié à autre chose, à une péricardite par exemple, un anévrisme du VG. Et donc, ce sous-décalage du ST+, doit avoir en plus des caractéristiques à lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit convexe, systématiser un territoire, touchant au moins deux dérivations contiguës,
etc. Et donc, il y a ce décalage de ce décalage. Il doit y avoir des critères qui vont nous permettre de différencier le sus décalage justement ST du ST+, des autres étiologies du sus décalage. Bien, d'autres questions? Ah ben ça, c'est une bonne question. S'il vous plaît, enfin, ce n'est pas une bonne question parce qu'elle est facile. S'il vous plaît, après combien de temps peut-on savoir si, si c'est une sidération ou une nécrose? Alors, généralement, c'est 4 à 6 semaines. Voilà. C'est-à-dire que quand vous revascularisez un infarctus à la phase aiguë et quand vous faites une écho après pour apprécier la fonction VG, c'est-à-dire le fruit un petit peu de votre revascularisation, eh bien, l'échographie initiale ne vous donne pas le résultat définitif. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de la sidération. Une échographie refaite 6 semaines ou 4 semaines après, ben après réversibilité de la sidération, ben vous donne le résultat définitif. Est-ce que toute hibernation myocardique donne une cardiomyopathie dilatée? Non, toute hibernation myocardique ne donne pas de cardiomyopathie dilatée, d'origine ischémique, hein, j'entends bien, mais elle donne une CMV quand l'hibernation, quand le myocarde qui souffre, qui hiberne, devient important. Docteur? Oui. On peut avoir sus décalage chez les CEG jeunes sans avoir ST+. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Et je vous ai dit que tout sus décalage n'est pas synonyme d'un ST+. Il peut y avoir, même y avoir un sus décalage physiologique même, effectivement, présent chez le sujet jeune, ce qu'on appelle l'aspect de repolarisation précoce. Et comment faire la différence entre un sus décalage qui est physiologique? Alors, il y a déjà le contexte clinique de la douleur thoracique, des facteurs de risque. Il y a aussi les caractéristiques de sus décalage. Alors, le sus décalage du sujet jeune est généralement concave. Voilà. Il touche généralement le territoire V1, V2. Il y a, élément important, il n'y a jamais d'image en miroir. Alors que le sus décalage d'origine ischémique est convexe, non pas concave, systématisé un territoire, bien défini, avec souvent des images en miroir. En miroir, oui. D'accord, merci. Ça n'a pas encore fait ça. Oui, alors effectivement, j'en ai un peu parlé de la biologie. Alors la biologie, c'est essentiellement le dosage des troponines. Alors, c'est vrai que c'est plus utile dans les scènes d'angoisse aiguë. Bien, alors sachez que dans l'angoisse stable, les troponines seront négatives. Alors, je peux quand même les doser devant un angoisse stable, mais c'est surtout pour éliminer, si j'ai une suspicion, pour différencier un angoisse d'effort stable de quoi finalement des scènes d'angoisse aiguë. C'est ça, plus à ça qu'autre chose. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Est-ce que l'ordonnance de sortie de l'angoisse stable est toujours si basique ou bien on l'a juste... Très basique. Eh bien, écoutez, alors déjà, ce n'est pas une ordonnance de sortie parce qu'on n'hospitalise pas le patient. Yank. Axmani. Oui. Oui, voilà. Alors, on peut dire que c'est une ordonnance de sortie de consultation. Hein. Et finalement, non, on ne donne pas le basique, ce n'est pas la même. Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit... avoir, qu'est-ce qui doit figurer sur cette ordonnance d'un angle d'effort stable, ben, un traitement de la crise d'angine de poitrine, et là, tu prescris quoi, par exemple? Traitement de la crise. Les dérivés nitrés. Oui, mais quel dérivé nitré? Il y a deux. D'accent rapide, voilà. Comme les sprays, par exemple. D'accord, en sublingual, donc ça, c'est le traitement de la crise. Et tu demandes au patient de porter ça avec lui et d'en délivrer deux bouchées quand il a mal. Ça, c'est le premier élément à donner. Deuxième élément, tu dois prescrire un traitement de fond de l'ischémie pour prévenir les crises. Donc, le premier, c'est pour soigner la crise angineuse, la crise douloureuse. Et le deuxième médicament, c'est pour
prévenir les crises angineuses. Et là, on donne quoi finalement? Soit un bêta-bloquant, soit un inhibiteur calcique, bradicardisant. Troisième élément sur l'ordonnance, eh bien, tu dois faire quoi? Tu dois donner une statine. Ça, c'est obligatoire. Aspirine, IEC, ce n'est pas obligatoire dans l'angle d'effort stable, mais ça va être selon les comorbidités, c'est-à-dire selon les pathologies associées. D'accord? Donc, trois éléments sur l'ordonnance. Trinitrine d'action rapide, bêta-bloquant inhibiteur calcique bradicardisant, statine. Si le patient revient te voir et te dit que malgré ton traitement, il se sent mieux, mais il a toujours mal, tu peux adjoindre quoi à ton ordonnance? Un dérivé nitré d'action prolongé cette fois-ci. Tu m'écoutes? Je suppose que oui. Si maintenant, malgré le traitement médical antischémique, le patient reste symptomatique, eh bien là, tu peux lui proposer une revascularisation myocardique par angioplastie le plus souvent ou si les atteintes coronaires sont extrêmement diffuses par pontage aorto-coronaire. Merci. Je t'en prie. Très bien. Alors, la coronarographie est indiquée seulement si l'échographie et la scintigraphie sont négatives. Non, au contraire, la coronarographie est indiquée. La coronarographie est indiquée généralement quand l'échographie et la scintigraphie sont positives. Alors, pourquoi? Alors, c'est vrai que la coronarographie permet de confirmer le diagnostic, mais elle est surtout indiquée si on va aller vers un geste thérapeutique, parce qu'en fait, elle permet les deux grâce à l'angioplastie coronaire. Dans certains cas, quand la symptomatologie est très sévère, on peut d'emblée aller vers une coronarographie. C'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Ben, j'espère que mes... Ah, il y a une... J'espère que mes explications étaient claires. Alors, je ne suis pas rentré beaucoup dans les détails hein, parce que ça nécessite encore plus de temps. J'espère que c'était clair et on se donnera rendez-vous, Inch'Allah, pour continuer. Avec les... Il y a eu plus de questions sur les symptômes aigus que sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, ça sous-entend que vous êtes impatient pour le... Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah, pour continuer le reste. Aya, sahab tolkoumi, bye bye.